ich mach mich auf den Weg zu einem Autohändler. Mein kleiner Volkswagen, der macht es nicht mehr. Gab mir einen riesen Mercedes-Benz stattdessen. Den fahr ich dann aus wie besessen. Aber leider fehlt mir das Geld auf weh. Und so bleib ich halt bei meinem kleinen VW. Ach, bonsoir. Promis, je fais pas toute la soirée avec l'accent allemand. Promis, juré. Ouais, à la base, ça devait être le mercredi nazi, mais comme j'ai toujours pas eu de retour de la part de Twitch, je me suis dit, bon, écoute, on va faire un petit peu comme on peut. Et du coup, j'ai appelé ça Arle Marty. Je trouve qu'il y a un petit côté poétique. Et pour l'instant, c'est surtout Arle Wolfenstein, parce que j'ai rien d'autre que Wolfenstein avec des nazis dedans. Donc, wow, l'accent allemand le plus éclaté de France. Attends, t'as pas entendu l'accent anglais d'Yadar, hein. Le Mecha Reich en marche. Je ne vais pas affirmer ni décliner cette affirmation GameTalik, mon avocat veut pas. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le resub, ça fait super plaisir. Merci, man. Bon, est-ce que ça va, vous? Est-ce que vous passez une bonne semaine? Pour l'instant, j'ai posé cette même question hier soir, c'est le seul opening de stream que j'ai, en fait. J'ai absolument rien d'autre dans mon répertoire, donc il va falloir faire avec. Bonsoir, salut à Aira, d'ailleurs salut tout le monde, je vous ai pas dit bonjour. C'est une petite forme pour moi ce soir, j'avoue que je suis pas forcément dans les meilleurs augures, mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors les jeunes, ça gagne. Alors fiston, c'est une nazie, ça parle allemand. Mais ça va être une petite soirée, donc je sais pas si le stream va être très très long, il va faire plus de 3 heures comme d'habitude, hein, mais je sais pas si je vais pousser jusqu'à 1h du mat comme hier, donc on va faire ce qu'on peut. En tout cas, je vais faire du Wolfenstein, et je sais pas encore si je vais faire du Cabela juste après, parce que j'ai pas j'ai dit que j'allais farmer un petit peu, mais je l'ai pas fait, j'ai eu trop de trucs, donc j'ai pas encore farmé Cabela, c'est pas forcément le truc non plus le plus fun du monde de farmer du Cabela, mais bon. On verra si on le fait après. On verra où Wolfenstein nous mène. Et on verra si on le fait après. J'ai eu quelques soucis tout à l'heure sur Wolfenstein. J'ai eu des baisses de framerate. Ça m'a un petit peu pété les couilles. PC aussi, ça peut me pécer les couilles, hein, si jamais il y en a qu'on besoin. Mais ouais, ça m'a un peu pété les couilles. J'espère que ça va pas trop le refaire. En tout cas, bah, tu sais quoi, on va le lancer dès maintenant. Salut Orage, salut l'Autruche aussi. Et puis salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Romtou aussi, oh là là, les gens débarquent en mars. Ah non, putain, c'est le bon mois, eh. C'est le bon mois pour faire un putain de lapsus. Peut-être que j'ai la dalle aussi, hein. C'est fortement possible que j'ai juste la dalle. Alors attends, bouge pas, tac, gaming, et bim, badaboum. Voilà, impeccable. On y est là. Je n'entends rien. Est-ce que le son est extrêmement pas fort? Oui, apparemment. On va voir en jeu. Appuyez sur entrée. J'ai appuyé sur entrée. Oulala, ok. Oui, ça se joue au clavier. Hein. Ok, d'accord. Oui, je joue au clavier. Bien, je sais pas pourquoi j'ai voulu prendre ma manette, mais c'est pas grave. Juste augmenter un peu le son. Sérieux, t'es au max là? T'es à fond là? Attends, y'a un problème ou qu'est-ce que c'est que ce niveau faiblard de merde? Bon, on verra, c'est pas grave. Y'a quoi dans les bonus pour l'instant? Ouais, ok, d'accord. J'ai commencé vite fait une partie la dernière fois, mais on va recommencer une. Alors, j'entendais à du Return to Castle Wolfenstein quand t'as dit que t'en faisais ce soir. Pourquoi tu me casses les couilles ce soir, Spider? Qu'est-ce que c'est? Putain, le mec, je lui dis que c'est pas ma soirée, il arrête pas de me reprendre sur tout ce que je dis. Qu'est-ce que c'est que ce trou du cul? Dis donc. Bordel, Eurysian se nourrit essentiellement de barres chocolatées type Mars, Twix ou encore Snickers. Et c'est exact, tu me connais super bien. Alors, en quoi on va jouer? Je suis pas forcément très très chaud pour jouer en Uber. J'hésite entre Amenez-vous et Je suis la mort incarnée. En plus, il fait un petit oui de la tête, ça me fait... C'est ça, cet écran me fera littéralement toujours rire, en fait, je crois. Bref, je sais pas. Uber direct, la mort incarnée, allez, oh là 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 là. Pff. Oh là 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 là. Et sinon, en amenez-vous, non?
Comme ça, c'est pépère. Tu sais quoi, vu que c'est pas forcément une journée avec, on va se foutre en rendez-vous. Je crois que de toute façon, on peut changer la difficulté du jeu en pleine partie. Donc au pire, je foutrais en je suis la mort incarnée plus tard. Mais pour l'instant, on va se foutre en amenez-vous. Tranquille, ok, pépère. Du schlass de nazi, mais tranquillou, d'accord. Allez, tac, c'est parti. Ouais, je m'en bats les couilles. Très bien, allez, go. Vous allez me dire niveau son si c'est fort, mais... Oh, ça devrait aller, non? Dans mon rêve, je sens l'odeur du barbecue. J'entends des enfants. Tiens, moi aussi. Mais en même temps, c'est tous les trucs que je fous au barbecue, ça. Perçois quelqu'un. Je sens l'odeur des enfants. Et le bruit du barbecue. Mais rien ne m'est destiné. Oh, Blasco. J'avance sous les rugissements des moteurs. Josiane Blasco. La VF est pas trop mal dans le jeu. Des guerriers. Oh là là, il est un peu edgy quand même, ça va, The Crow, tranquille. Les yeux bien ouverts, Blazkowicz, et tu fais le gay. Ok. D'accord. C'était la blague la plus compliquée de la semaine. J'adore cette intro, elle est un petit peu longue pour moi, mais j'adore cette intro. Retourne dans la cabine. D'accord. Et t'avais pas envie de pisser? Je dois pisser pour toi? Ok. Regarde-moi ça, comment c'est beau. Il est vraiment super beau ce jeu, et j'ai l'impression qu'on ignore assez souvent le fait que Wolfenstein The New Order est vraiment vraiment un jeu magnifique. Je sais même pas si je suis en maximum du coup, parce qu'en plus Merde, oui. Je sais même pas si je suis au maximum en plus, parce que vu que j'avais des petits problèmes de framerate tout à l'heure, je me suis dit bon, on va se détendre un petit peu sur les graphismes. Mais rien que là, il est déjà vraiment super joli quoi. Et mon PC qui vibre, il fait des petits comme ça m'énerve. Ok, go. Qu'est-ce qu'il faut que je fais? Lâcher du lest. Ah oui, 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 c'est bien ça. Go, go, go. Cette petite scène intro est vraiment super stylée. Mais je trouve que c'est jamais trop forcément nécessaire, tu vois. T'aurais mis juste une petite cinématique. Avec... Je comprends le principe du tutoriel, hein. Mais tu m'aurais juste foutu une petite cinématique qui m'explique qu'il y a un crash. Vite fait, genre un truc de 15 secondes. Et qu'ensuite, tu dois chlasser du nazi. Franchement, ça m'aurait pas posé tant de soucis que ça, tu vois. Pff, ta vache. C'est pas grave. Ouais, impec. Oh la vache. Oh, c'est classe. C'est vraiment super stylé. Il y a un grain aussi, elle avait un grain. Il y a un grain à la vidéo. Aussi, c'est vraiment sympathique. Ok, go. Allez, hop. Overlord sur 20. Allez, c'est parti. Ah putain, je suis con, c'est ça que j'aurais dû faire ce soir en fait. J'aurais dû vous passer un film, faire un petit peu de Wolfenstein et vous passer un film juste après en fait. Oh le con, j'y ai même pas pensé. Quel abruti. J'en ai des films, hein, mais j'ai rien sur les nazis. C'est con, il aurait fallu un truc. J'aurais dû prendre Overlord justement. C'est pas grave, tant pis. Je sais pas ce que je suis en train d'éclater. Je crois que je suis en train d'éclater des potes, ouais. C'est ça. Iron Sky, bah oui, mais j'ai pas prévu, alors forcément. Non, mais j'y ai pas pensé. Je me suis dit, c'est pas dimanche, du coup, on va pas passer de film. C'est là, non, j'avoue, tout est de ma faute. Tout est ma faute. Erika, le 11 septembre, tout ça, ça c'est moi, ça. Je dois péter quoi? Ok, ça c'est normal. Putain, Dead Snow, sinon c'est pas nazi. Oh, Dead Snow, ça aurait été pas con, ça. Ah ouais, Dead Snow, mec, ou Dead Snow 2. Ah merde, putain, pourquoi j'y ai pas pensé? Vous voulez qu'on essaie de faire ça? Vous voulez qu'on se fasse un Dead Snow ce soir? Le premier, il est un peu... Le premier, il est bidon. Mais le deuxième Dead Snow, il est génialissime. Et ouais, mais il faudrait que je trouve les sous-titres et tout. Je sais pas. Écoute, on voit ça après, d'accord? On voit ça après. On essaye de voir comment on fait. Et je vais jouer déjà un peu à Wolfenstein si ça vous dérange pas. Et ensuite on voit, peut-être que je ferai une petite coupure dans le stream et que j'essaierai de l'EDL vite fait parce que je le possède déjà. Et donc du coup je peux le télécharger sans problème vu que j'ai déjà la licence pour utiliser le film. Quoi? Le principe de... Oula. Le principe de se pencher dans le jeu est assez chelou en fait, faut appuyer sur Alt. Et bouger les touches de direction, j'ai toujours trouvé ça très très étrange plutôt que d'avoir une touche A et E pour se pencher. Mais ça me fait assez rire en fait. Ah ou ah, au revoir. Fais gaffe le Concorde. Allez, au revoir Steve Rogers. Bisous, référence. Est-ce que je peux sortir juste de cet avion là, con? Oh là là.
T'es sûr de l'angle là? T'es sûr de... faut tirer là, Faut tirer sur ça. T'es sûr de l'angle? T'es sûr de l'angle? T'es sûr de l'angle? Are you sure of the angle? Ah et eux c'est trop mainstream, moi j'ai l'impression qu'ils voulaient un petit peu compenser tu vois. Oui fallait juste tirer sur le volant comme je te l'ai dit espèce de bâtard. Ok, alors là il y a un truc à faire. Voilà. Et je comprends pas, cette partie de l'intro, je la fail extrêmement souvent. Et j'ai aucune idée pourquoi. Voilà. En gros faut sauter sur l'avion en face. Mais je me crame en permanence. Je pense qu'il faut sauter au maximum à gauche en fait. Le plus loin et le plus fort et le plus à gauche possible. Waouh! Je refuse de croire que je suis pas décédé quoi. Ok, go. Ok. Voilà. Ok, c'est bon. Pawam patapata pawam patapata pawam patapata pawam. On peut y aller maintenant? Oh là là! C'est quand même l'intro la plus Call of Duty de l'histoire de TFPS. Hein. Cette intro est plus Call of Duty que, que la plupart des Call of Duty qui sont sortis. Hein. Ah, ouais. C'est où? Ouais, il me faut de la vie du coup là, parce qu'avec 40 PV, je vais vraiment pas aller loin. Comme dans le deuxième jeu où il te limite à 50 PV jusqu'environ la 60% de tout le scénario. Le patapatapawam, c'est dans Katamari. En Katamari Damacy, Hoffman. Pawam patapatapa pawam patapatapa pawam badam. Elle est bien celle-là. T'es sûr que ça va toi? Oula. C'est quoi qui pète? Oh là là, le bordel. Ouh. Bonsoir. C'est bon, tout le monde dort, c'est bien. Tout le monde est tranquille. Oh là 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 là. Est-ce que tu te rends compte de la panique mine de rien quoi? Rien que là, je me sens pas très bien. Oh là là, on voit que dalle. Passe une petite main. Attends, je peux passer la tête là? Ah oui, je peux voir un petit peu. Oula. Oh là là. Le 2, il part full banane. Ah, le deuxième, oui, le deuxième Dead Snow, il est... Enfin, je veux dire, Dead Snow, comme on dit en norvégien, il est complètement... Ils ont complètement lâché les ballons. C'est encore l'aube. Tout s'effondre autour de nous. La machine de guerre nazie avance à un rythme effroyable. On accumule. Nos stratégies sont éculées, dépassées. Personne ne sait pourquoi. Les gens commencent à désespérer. Ah si, moi je sais pourquoi. C'est parce qu'en face ils ont des putains de chiens robots et que vous en avez pas, bande de losers. Ok, impeccable. Aïe, mais impeccable. Aïe. Ok, ghoul, good. Y a pas, non ça c'est, ok je peux rien prendre. Je peux... Non, je peux pas. Ok, c'est pas grave. Allez, go. Non, toujours pas. Ah, faut répondre à la radio. Ok, j'ai. Fergus. Oh, les scripts. ça va pas être le soir pour me demander les scripts, hein. On est piégé à l'intérieur d'un avion pendant qu'un genre de cerbère blindé essaie de nous boulotter. Un cerbère blindé, mais ils ont qu'une tête. Je suis coincé dans une épave. C'est quoi par là-bas? Oh là là. Hey, Wyatt, allumez les lumières. Dasko, est-ce que tu la vois? Yes. J'adore ce début, vraiment j'adore ce début. Je le répète, c'est un petit peu encore, c'est un peu trop scripté je trouve. Je vous vois. Mais c'est pas trop grave. Il y a une scène juste après par contre qui est un petit peu longue. Ça fait un moment que j'ai pas joué au jeu. Hein. Je l'ai relancé juste très vite fait pour voir s'il tournait bien. Mais la scène d'après est un petit peu longue pour le coup. Mais j'adore ce passage. Comment on vermifuge un Panzerhund avec un Panzer Schreck? J'adore surtout la fin du niveau, assez cool. Je m'en souviens plus tout à fait. Hop là, voilà, impeccable. Je me souviens plus vraiment de la fin du niveau, j'avoue. Oula. Ça, tiens, super timing. Merci Rusty Spider pour l'abo. Non, je peux rien faire, ok. Courir maintenant, ah oui, faut que je passe en dessous. Ah, c'était peut-être avant. Je pensais pas qu'il se libérait. Ah mec, je pensais pas qu'il se libérait, merde! Oh le con! Ah ils m'ont niqué avec un script! Ah dis donc!
Ah, je suis surpris, je m'attendais pas du tout à ce que ça m'arrive sur la gueule. Oh mec, est-ce que par contre je peux avoir le reste du jeu? Unsere Freiheit baut auf. Je sais pas, j'ai pas lu le reste. Ok, là c'est bon, là go. Hey, ah, tant pis. Attends, je recommence. Ouah. Voilà, impeccable. J'ai rien d'autre, y'a pas de, Ah si, voilà. Il me faut du soin, c'est bon, je suis uber charged. J'aurais dû tuer ce type il y a longtemps. Oh, le doublage, mon gars. Le mec il parle à un ton moins 16. Ok. J'ai jamais entendu une voix aussi basse, aussi bassée, on va dire. Comme le chien, ouais. Ils ont pas. Tu vois, en fait, c'est le problème des nazis. S'ils avaient eu des requins mecha, comme ils ont dans Far Cry Blood Dragon, et bah là, ils auraient pas eu de soucis. Ils m'auraient buté et il y aurait pas eu de problème. Voilà. Ah. Très bien. Merci. Get scripted. Spider, il va faire une armée après. Oh, ça va, ils vont tous se lever à 14h. On aura le temps. Si on les attaque le matin, on sera tranquille. Ok, go. Le doublage est meilleur que dans New Colossus. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, par contre. C'était assez pitoyable dans New Colossus. Même en anglais, d'ailleurs. Hein. C'est peut-être au niveau des textes, surtout. Allez, let's go. Ah, ça c'est bien. Ça compte pas pour des chiens, là, du coup, ça va. C'est, vu que c'est des mechas, ça compte pas pour des pipes. C'est bon? Je peux y aller? Ah, non. Je suis bloqué. Ok, très bien. Allez, go. Twitch en sueur quand Ruru a sorti, tu vois le problème avec les nazis. on était au bord de la suspension, poteau. Écoute, il y a trois lignes mitrailleuses dans ces tranchées là-bas. L'unité peut pas avancer sans se faire. Mecha People Lives Matter, oh là 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 là. Faut pas sortir des choses comme ça, mec, hein. On va avoir des problèmes, hein. Devoir courir aussi vite que possible, droit dedans. Vous pensez que c'est possible de créer une association comme la PETA, mais uniquement pour les mechas? Est-ce que peut-être qu'il y a un truc à creuser là? Peut-être qu'on peut se faire du fric avec ça, hein. Et ensuite on pourrait gueuler sur comment ça s'appelle, Pacific Rim, etc, etc. Je vais juste tracer. Oula, waouh. Oula. Oui, je vais juste tracer du coup parce que c'est vraiment mauvais. Ok, impeccable. Et là, le boulot commence. Baltisch, Saug, Patrouille, Vergebit, Blip. J'aime pas l'allemand. Non, en vrai, si, j'aime bien l'allemand. Je trouve que c'est une langue plutôt jolie, l'allemand. Beaucoup de gens pensent que c'est assez brutal. Je trouve pas particulièrement que ce soit beaucoup plus brutal qu'une autre langue. À part pour certaines évidences, comme la façon dont ils disent papillon. Ok. Je peux... C'est qu'est-ce que c'est? Ah oui, mais c'est un avion en fait, ça, d'accord, très bien. Magnifique accent, oui, je sais, écoute, beaucoup de travail. Oui, alors par contre, il faut se calmer sur les scripts et sur les dialogues parce que là, je suis rien du tout. Et là, c'est le truc un peu stylé, tu peux te pencher mais vers le bas. Et j'aime bien le principe. Parce que du coup, tu peux lui chlasser les pieds. Vas-y, ouvre. J'adore. Ok. Wow. Et du coup, je peux pas leur tirer là, ok. Ok, on y va doucement au début, hein. Parce que si c'est pour se fatiguer dans une demi-heure, on est niqué, hein. Ok. La FOV est à 90. Merde, non. Je crois, Non, 85. Ouais, on peut mettre à 90. C'est vrai que c'était un petit peu serré à mon goût, mais ouais, c'est mieux, ouais. T'avais raison, merde, c'est ça la grenade, ok. Voilà. C'est le seul moment du jeu où ce serait utile, mais en fait non. Tu vois, par exemple, il y a d'autres moments où ça le fait plus tard dans le jeu, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas du tout parce que le jeu en fait se prête pas vraiment à ça. Mais il y a d'autres moments en fait où il y a pas mal d'obstacles et tu peux viser en dessous sans trop de problèmes. Mais c'est vrai que bon, dans la précipitation du truc, on n'y pense pas forcément, quoi. Est-ce que j'ai un gun? Non, j'ai pas le handgun pour l'instant. J'ai pas le Luger. Tant pis. Est-ce que j'ai... Voilà, ça c'est bien. Ça c'est bien. Est-ce que... Non, j'ai pas les doubles mitrailleuses pour l'instant, mais c'est pas grave, ça va venir. Alors par contre, ce qui est bien avec les soldats allemands, c'est qu'on les repère super vite parce que c'est les seuls qui braillent. Tu sais qu'il y a un ton, en fait, il y a un ton qui est utilisé dans tout, dans tous les médiums où il y a de l'allemand. Tiens, bon, je sais pas ça que je voulais, mais tant pis. Voilà. Il y a un ton qui est utilisé pour le soldat allemand, en fait. Dans tous les médias du monde, ils font...
tu sais que c'est forcément de l'allemand, quoi. Parce que l'américain, quand il crie, il est... Un américain, ça panique jamais, tu vois. Ok, donc là, on peut passer par là-bas, mais je suis pas forcément sûr. Qu'est-ce qu'on... Quoi, est-ce que, parce qu'il faut surtout rien louper. Ça, on dirait tellement un truc qu'on peut activer, quoi. Tant pis, c'est pas grave. Là, on peut pas... Ça, c'est quoi? C'est très, très rigolo, le mec, il a quand même amené une photo d'une commode. Les gars, ça vous dérange pas si je mets une photo de mes meubles? Ah, pas du tout, mais là, à côté de ma commode. Ok, là, il y a un petit... Ok. Ouh. Hop, nique ta grosse race. Oh là 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 là. Et ce qui met dans le jeu, c'est que... surtout, les ennemis mettent pas trop longtemps à mourir. En général. Du coup, ça fait un combat qui reste assez viscéral. Non, pas... ceux-là, par contre, c'est pas vraiment des mechas. Eux, par contre, je veux bien gueuler. Oh, les pauvres gardes. Bip. Ok. T'inquiète, je suis chaud là. Tiens, voilà, là je suis... Oh le stoppy. Nique ta grosse race. Allez, on y va en Terminator, on est bon hein. Ouh merde. Attends, j'arrive. C'est tellement pas efficace d'utiliser les deux guns comme ça dans Wolfenstein. Oh, bah il a eu un petit SWAT 4, je sais pas si t'as vu. Un soubresaut de 4. Ouh, aïe. J'en ai pris dans le cul, mais c'est pas grave. Fallait absolument que je vienne ici. Ok. Ça va niveau son, vous entendez bien? Y'a pas trop de problèmes. Le niveau du son est correct. Il est correct. Das ist correct. Voilà, ça c'est impeccable. Et c'est vrai qu'ils arrivent par milliers là, oui. C'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Hop, on reste ici. Dans un couloir pareil, tu sais, leur nombre ne compte plus, hein. J'ai vu ça dans un documentaire sur la bataille des Thermopyles. La vie n'a plus de valeur ici. C'est vraiment des nazis, ces nazis. Heureusement que ça a changé de connotation depuis. On entend bien les arcs électriques qui font des bzz bzz bzz. Ouais, ça c'est le volume du jeu, il est un petit peu niqué. Au niveau balance, ils ont fait un peu n'importe quoi. Ta gueule, Blasco. Oh bah dis pas ça, le pauvre. Ah oui, on peut discréter ici, ouais. Mais ça sert à rien. Honnêtement, ça sert à que dalle. Viens là, toi, viens là. Hop. J'ai l'impression que je lui ai retiré un bout de son armure de mâchoire, c'était rigolo. Ok. Je veux le flingue surtout, parce que je trouve que le Luger, il est génial à utiliser dans le jeu. En plus, on a accès directement au double Luger. Le seul truc qui manque cruellement au gameplay pour aller rapidement, c'est choper des munitions et les objets en passant dessus, c'est vrai. Et pas avoir à recharger, par exemple. J'aime pas trop ça. J'aime pas trop la guerre des mondes... Leur délire à la guerre des mondes, là, ça me plaît qu'à moitié. Alors oui, il y a tout un délire avec les commandants dans le jeu, où faut éliminer les commandants pour pas qu'ils déclenchent l'alerte, mais personnellement... On s'en bat un petit peu les couilles. Juste là, je le fais, parce que bon... Il me le demande gentiment, mais... voilà. Mais je trouve que le jeu se prend beaucoup moins la tête. Mais je pense que c'est ce qu'on va vérifier, en fait. Au fur et à mesure du jeu, c'est de savoir, en fait, si le jeu se prend plus ou moins la tête que The New Colossus. Au niveau scénario et tout. J'ai ma petite idée, mais j'ai l'impression que je suis à moitié biaisé, parce que c'est tellement évident pour moi que The New Colossus est écrit comme de la merde et qu'il se focalise sur des trucs qui sont complètement au-delà de juste un bon scénario de jeu vidéo, que j'ai envie quand même de vérifier si c'est pas juste du biais cognitif, comme dit Adwim. Un mot d'ailleurs que j'ai jamais su replacer dans une conversation correctement. T'as eu beaucoup de chance que j'ai pas eu de munitions d'un coup, toi. On va prendre la tourelle après, t'inquiète. J'en prends ça, voilà, ça c'est bon, ça. The New Colossus, c'est une chiasse. Bah oui. Bah, en effet. Mais écoute, on va vérifier, hein. Bon, j'ai pas fait New Colossus, mais apparemment, est-ce que ça vaut le coup que je le prenne? Si tu chopes un mode qui permet de skip les passages dans les hubs et les cinématiques, pourquoi pas? Mais franchement, je te dirais non, joue plutôt au premier, joue à The Old Blood. Et attends un prochain, parce que là, pour l'instant... Dès qu'on trouve la résistance, le jeu passe explication nulle et inutile, je trouve. Ouais, c'est vrai. Attends, dans The New Colossus... Dans The New Order? Je me souviens même plus, tu vois. Bah tu vois, par exemple, ça, ce truc-là, j'ai oublié. Donc on verra, on va voir plus tard. Mais non, c'est pas ça que je voulais faire, attends.
Attends, on va remettre... Ouais, excusez-moi. On va remettre ça là. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Le premier bon parce qu'il surfait pas encore sur les agendas politiques de merde. Yeah. Yeah. Comment? Yeah. Oublie pas la cloche. La cloche? Nani, la cloche. T'assistes à une grosse cloche? Ah, ça? Ces trucs-là, là? Ça fait quoi? Non, pas ça? Je sais, quelle cloche? Non. Ah, non, d'accord, je croyais que tu visais un truc. J'ai pas compris. C'est pas grave. Donne-moi ça. Ouf! Oh, l'explosion sèche! On est bon? Yes. Ok, bon, on va partir avec parce que. ils sont lents. Hein. Ils sont lents, c'est pour ça qu'ils ont perdu la guerre. Parce qu'ils sont trop lents et trop tendres. Ouh, merci beaucoup, mec. Merci, Skull Break. Ça me fait super plaisir. Et d'ailleurs, merci aussi, Dwelly. Hein. J'ai juste fait des petits 1-1, mais, mais ça voulait dire merci. Ouais, super. Voilà. Mais je trouve que ce que j'aime bien dans le premier, c'est qu'ils ont pas trop besoin de justification sur le fait que les nazis ont besoin de mourir. J'ai l'impression que le deuxième, c'est un petit peu genre les nazis, c'est les racistes, les nazis, c'est les sexistes, les nazis, nanani, les nazis, ils aiment pas les juifs, etc. Mais dans le premier, j'ai l'impression que c'est uniquement les nazis, c'est les nazis, alors il faut les buter, tu vois ce que je veux dire? Et j'aime beaucoup le principe. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Pourquoi il a fait des petits... Excuse-moi, j'étais en train de regarder ton pote mourir. Excusez-moi. Voilà, merci. Merci beaucoup, Jungle Bing... Oh, Big Ben. Ça va, mec, ça fait un moment, tiens. Oh, putain, mais vous venez d'où, bande de cons? Oui, d'Allemagne, ta gueule. ça me plaît qu'à moitié. Ok. Les nazis blancs mâles. Oui, c'est ça, on s'en fout, t'es un nazi femelle, je le défonce aussi. C'est juste le fait que ce soit des... Bah, ah... Ah, j'ai plus de munitions. Attends, j'ai plus de munitions. Voilà. J'ai mis... Non. Comment? Est-ce que je peux... Voilà. C'est très chiant. À lâcher une mitrailleuse lourde. J'ai perdu énormément de points de vie à cause de cette connerie de mitrailleuse. Ok, impeccable. Heureusement que je suis le meilleur au FPS parce que putain... Non, je vais quand même pas mourir en difficulté. Normal, t'es fou toi, quoi. Oh, ce serait la honte. Avouez quand même, ce serait la honte. La preuve, l'ennemi principal du 2, c'est une meuf, une moche en plus, qu'on défonce dans le premier d'ailleurs déjà. Hein. Dans The New Order, c'est la guerre fiston, faut buter les nazis, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça, c'est plus ou moins ça, ouais. Ah oui, d'accord, je viens de faire un tour pour rien. Je peux prendre ça? Ouh. Ah oui, j'avais pas vu que j'avais retiré sa casquette. Bip. Voilà, ok. Bon bah écoute, ça marche aussi. Je me souvenais pas qu'il y avait un genre de démembrement dans celui-là. Oh là là. Ok, appuie la tête. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le dos, on a le droit à Hitler qui pisse par terre. Ouais, ouais. C'était un peu rigolo, mais je trouvais que c'était un petit peu facile quand même, la truc sur Hitler dans le dos. Mais ça m'a fait marrer, hein, toute la section où il essaye de recruter quelqu'un pour le film. Ça m'a fait vraiment beaucoup rire. Mais c'est un peu comme les... Oui, Hitler, il avait qu'une couille. Hitler, il a une petite bite. Hitler, il pue de la gueule le matin. Hitler, il aimait le réglisse. Enfin, c'est un peu facile, je trouve, quoi. Oh là là, le bordel! Ok, Blasco, on a réussi à passer. Alors déjà, moi, c'est Monsieur Blaskowitz, et non pas Blasco. On n'a pas élevé les nazis ensemble. Hauptstadt Metals. Nice. Pip. Ok. Aussi, si avec le fusil à pompe qui fait des ricochets dans New Order, tu démembres comme un abattoir turc. Ouf. Un abattoir tchétchène. Ah bah tiens, ils ont la même pinup. Je peux prendre ça? Non, j'ai cru voir un truc que je peux prendre. Non, c'est bon, ok. Achtung! Mechaniken. Kampfunden. Ah, chien de guerre, d'accord. Chien de guerre mécanique. Attention, chien de guerre mécanique. Ici? Oh putain! Ah oui, les mecs, ils ont confiance quand même. Hitler, il met les céréales avant le lait. Bah, bah écoute, ça me fait un point commun avec Hitler. La blague sur les Tchétchènes, je suis désolé. C'est vraiment pas le stream, quoi. faut vraiment pas qu'il y ait un modo qui arrive maintenant, quoi. On est d'accord. Qu'est-ce que vous faites? Pourquoi il tire alors que je suis même pas là? Attends, on va voir un truc après.
On va les voir après, mais pour l'instant, je me demande comment on dit chocolatine en allemand. Chocolatine. On dit Brot au chocolat. On dit pas chocolatine en allemand. Ça existe pas, c'est un mot qui n'existe pas d'ailleurs. À néologisme. Hop, toi tu vas niquer ta grosse mère. Ta grosse mutter. Fick deine Mutter. Je crois que j'ai fait péter une grenade pendant que le mec l'envoyait, non? I've got the impression. Ok. Qu'est-ce que je crois que je peux faire un truc ici en particulier. Ok. Y a pas un autre canon que je peux défoncer ou parce que ça je crois j'ai l'impression qu'on a qu'on peut le défoncer. Mais peu importe le nombre de sabots que je lui fous dans la gueule, ça passe pas. Oh merde. Non, je dois même pas niquer le truc, c'est même pas nécessaire de le niquer le truc, hein. Mais Aïe aïe, quoi? Casse-toi toi. Je t'emmerde. Tire dans le rayon bleu. Ah, attends, je vais essayer, bouge pas, je vais d'abord vider ça. Bah c'est bon, ok, impeccable. J'aimais l'espèce de méchouga qui fait le truc, mais attends. Ah, là j'ai un bon angle. Là-dedans, là? Ah, peut-être qu'il se tourne vers moi, c'est ça? Genre, faut le provoquer et puis Non? Oh oui, à l'intérieur, là? Ouh, j'aime pas. ça me plaît vraiment pas. Ça me plaît vraiment pas, ce que je fais, là. La croix dans le titre, c'est chaud à moitié. Je sais pas, c'est une croix de Malte. Ça, oui, ça fait un peu soldat allemand, mais c'est un truc qui est beaucoup utilisé aussi ailleurs. Bien sûr, là, dans le contexte, ça fait allemand, mais c'est pas non plus chaud, hein. T'as largement le temps de l'abattre avant qu'il tire, c'est vrai? Ouais, mais bon. Je tiens quand même à ce qu'il m'éclate pas la gueule avec son gosse, là. Est-ce que, par contre, il peut se tourner vers moi? STP. La croix de Malte, c'est les chrétiens. C'est les hospitaliers, d'ailleurs, je crois, la croix de Malte, non? Ah, ça reste des... Ça reste des croisés, quoi. Par contre... Ouf, ok. Il est mort? Allez, hop. Ok, c'est bon. Alors, par contre, est-ce qu'il va me tomber sur la gueule? Ça, c'est la question. Ok, non, c'est bon. Ok. Merci. J'espère que je vais être décoré et qu'on va me filer un super appartement sur la croisette. En guise de réparation. Et la svastika, c'est Jap avant d'être nazi. C'est hindou, oui. La svastika. Mais c'était pas tout à fait la même. Mais par contre, les japonais, pardon, ont un kanji qui ressemble beaucoup à la svastika et qui est très utilisé par les gosses, d'ailleurs, je crois. Ils ont pas du tout le même rapport à la guerre que nous, donc ils s'en foutent. Oh. Est-ce que tu peux crever ta mère? Voilà, merci. C'est bon, je m'en fous de la grenade, t'inquiète. Hop, on reste là, on campe un petit peu. Regarde-moi ce bordel. On est bon? J'ai l'impression qu'on est bon. La svastika à l'envers, tu la vois souvent sur les cartes pour montrer l'emplacement des temples. Mais en plus, il l'utilise un petit peu, ce kanji-là, il l'utilise un petit peu pour dire genre lol ou cool, ou ça, tu vois, enfin c'est vraiment un truc super positif, ça a aucun rapport avec le national-socialisme. Et ils ont même un geste avec les bras en fait, où ils le font, tu vois, comme ça genre. Là, vous pouvez pas voir, mais imaginez que j'ai une webcam et que je le fais avec les bras, tu vois. Et bah, ils le font, en fait, à la main. Ils font ce kanji-là qui ressemble à une svastika, mais avec les bras. Mais, ouais, montre, on voit tout. j'espère pas tout non plus, parce que... pas mal, ouais, je sais, j'ai fait beaucoup de gymnastique. je suis souple comme du super béton. Référence à Wolfenstein. Mais, bon. À la gymnastique, je servais de poutre. Ah, allô? Oui. Très bien. Impeccable. Par contre, je crois que je commence à... Au fur et à mesure que j'avance un petit peu dans le jeu, là, je suis en train de me rappeler de moments qui étaient assez vénères, mine de rien, dans le premier aussi, hein. Genre, tous les moments à moitié... Oh, il est cool, lui! Oh, il est super stylé! Le design des nazis dans le jeu, c'est vraiment super classe, quoi.
Imagine Russian en juste au corps qui fait de la gymnastique rythmique. Soupe comme Himmler. Je peux pas le décapiter là si je tape beaucoup. Non, ça veut pas, ça veut vraiment pas, hein. Oh, tant pis. On dirait Griffiths. Et voilà. Griffiths est un nazi. Je pense que maintenant c'est définitif. Je pense que tout le monde est au courant. Excuse-moi. Bip. Oh, le petit coup de couteau tranquille. Ouh là là. Pardon. On a mi-chemin sur la paroi. On sera bientôt à la base. Oh là là. Oh, le flac sur les mecs. C'est tellement pas nécessaire. Oui, bah alors déjà on va se détendre parce que je suis déjà en train de vous défoncer la moitié du Reichstag à moi tout seul. Les nazis, c'est vraiment super classe. Ah bah quand même. Bien sûr. Ah, tout le monde le sait, tout le monde le dit en plus que les costumes nazis étaient stylés. Mais en plus, dans Wolfenstein, ils les ont en plus customisés. Il y a un petit côté Mad Max. J'aime beaucoup. Tellement casse-couille de devoir tout ramasser manuellement dans le jeu. Ouais, c'est vrai, mais je sais pas, il y a un petit côté... Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Regarde, il cherche la grenade en plus, il est adorable. Adorable. Soldat Wyatt, merci. J'ai lu Panzerschneck et j'ai ri tout seul. Le Reichstag, c'est un bâtiment. Oui, bah oui. C'est le bâtiment du Reich, en fait, quelque part. La maison du Reich, en fait. Ou le manoir du Reich, même. Ok, ça c'est bon. Donc du coup, tu peux toujours, comme dans tout Doom-like qui se respecte et qui a un petit peu de respect pour soi, il y a des trucs à ramasser partout, des espèces de trucs planqués un peu partout. Là, j'ai dû en oublier pas mal. Le petit cabanon du Reich. Ça me fait rire, ils ont un petit pied à terre. J'ai toujours voulu un chien robot, mais mes parents ils me disaient t'es con. Oh, allez. Tu vois, il y a des petits coups de lag des fois là. Ah. Salut B44. Si tu stream encore, quand j'ai fini, j'essaierai de lancer un raid vers chez toi. Dans ta direction. Voilà, donc lui c'est littéralement juste le grand méchant, il faut tuer le grand méchant pour gagner la guerre, voilà c'est tout. Non, j'ai les yeux qui piquent et je crois que je vais être malade. Oh, moi c'est moi tout le temps ça, dès que je sors de chez moi c'est ça moi. T'as pas le bug audio durant les cinématiques, la chance? Bah écoute, j'ai testé le jeu et le bug audio dont on a parlé la dernière fois quand t'es venu, je l'ai jamais trop rencontré, je crois. Donc non, moi j'ai pas de problème audio dans Wolfenstein, hein. Putain mec, je croyais que la chanson qui était derrière c'est doum 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 doum. Dès que tu sors chez toi, tu commences à fondre. Ah bah là, en l'occurrence non, parce que caille un petit peu et mon seul pull trop stylé, il est actuellement en train de sécher, donc je peux pas le mettre, donc j'ai froid. Comme un père et son fils. Moi mon papa, il était méchant et c'était un nazi. Moi mon papa, c'était un tyran. Je vais le tuer dans les deux. Putain, j'avais oublié que... Oh là là, moi je dis rien, je dis merde, je viens de spoiler, je suis désolé pour les gens qui veulent faire le 2. Il y a des scènes relativement rigolotes, c'est une toute petite scène, j'ai pas spoilé grand chose, hein, mais c'est assez ridicule. Tu dis pas de mal de ton père, non mais oh. Mon père c'était un charron. Et on lui tue. On lui tue sa gueule de nazi. Allez, let's go. Cette session est un petit peu classe, mais je trouve juste qu'elle est un peu longue en fait. J'ai pas l'impression que ce soit forcément trop nécessaire. Je trouve que c'est un peu long. Etc. Hop, nique ta race. Aïe. Oh. Y'a rien d'autre là? Ok. Oh, le choper, on va lui piquer sa choucroute. Aïe aïe aïe, putain, ils sont en train de me tirer littéralement dans l'anus. C'est vraiment pas agréable. Mon petit anus d'américain. Mon petit anus d'immigré polonais. Oh là là là. Ok, voilà, on est bien. Est-ce que je peux me pencher? Non, je peux pas me pencher.
J'ai loupé, j'ai réussi à le louper. Je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à le louper. C'est pas grave, ça demande beaucoup de talent. L'anus de la liberté. Tu crois que Blazkowicz, il arrête les balles avec son cul pour les récupérer et le remettre dans son chargeur après? J'ai vu ça dans Crisis Young, c'était super impressionnant. Dans Crisis Young, il y a un moment, il y a des mecs qui ont des tronçonneuses à la place de la bite et ils essayent d'enculer le héros. Et le héros, il arrête la tronçonneuse avec son cul et il casse la bite après. Tout ce que je viens de dire est réel. C'est arrivé dans un animé. Tout ce que je viens de dire est réel. Vous avez juste à attendre la sortie de Crisis Young pour voir. Crisis Young, c'est par les créateurs de Last Man. Le même créateur que Last Man et de Pipoudou. Donc il y a énormément de cul, il y a énormément de violence et c'est le bordel partout. Et ouais, c'est une espèce de truc à la Hokuto no Ken en fait, avec un héros super balèze et les ennemis qui se ressemblent tous avec des coupes mohawk et des tronçonneuses à la place de la bite. Et ouais, il arrête la tronçonneuse avec son cul et il casse la tronçonneuse avec ses fesses. C'est vraiment super bien fait. Et la série est vraiment complètement dingue, elle est vraiment complètement ouf. Voilà, allez, let's go. J'aime pas quand il m'appelle Blazko. Je trouve ça un peu dénigrant. Ah, on peut descendre ici. Je savais pas. Je me suis fait un petit peu mal. Je sais pas si t'as vu, il y a eu un petit peu de sang en bas de l'écran. Genre vraiment, j'ai saigné quoi. Je suis tombé de 2 mètres, j'ai saigné. Qu'est-ce que c'est que... Où est-ce qu'on est ici là? Ouh. Ça c'est bon ça. Comment on fait pour mettre le silence? C'est que sur un seul, c'est ça? Non? Vas-y, t'as une grosse... Attends. W, V, B, X, N, A... Non. Comment on fait? Attends. Comme Mathilde. J'ai Romtou. Elle est bien. Elle est bien. Je valide. Je valide la vanne Mathilde saignée. Comment on fait pour foutre le silencieux? Modifier tir gauche, modifier tir droit. Ok, WC. Hop. Voilà, impeccable. Ça, c'est bien. Allez, let's go. On va s'infiltrer dans Wolfenstein. Parce que j'aime pas le fun. Tu vois, là, j'ai des baisses de framerate. Genre, Enfin, c'est ridicule. Je suis à 40 FPS, hein, mais ça m'énerve. Elle a fait quoi déjà comme film? Des films où elle monte ses... Oh. Tu disais? À la quoi? À la soupe aux champipi, à la soupe aux champignons, c'est ça? Ah. Bah alors? Pff, oh là là, j'adore vraiment beaucoup aussi cette mitrailleuse. Vraiment, toutes les armes, je trouve, de Wolfenstein sont vraiment super bien équilibrées. Et elles sont toutes très très satisfaisantes à utiliser. Notamment cette mitrailleuse, oh la vache, réminiscente de la STG-44, fameuse arme de destruction plus ou moins massive. Ouf. Ok, ça c'est bon, on prend tout ça, je crois qu'il y a des... Oh, oh non, non, le petit pipou. Ok, c'est bon. Oh là, je me souvenais pas que les têtes elles pétaient aussi vite, c'est génial. Voilà, impeccable. Les pipous, bah oui, je suis désolé, mais là, c'est où, moi, hein, donc, bon. Vous m'en voudrez plus tard. Notez combien de pipous on a buté, depuis le... Ouh, la vache, j'ai sabré le pinard. Notez combien de pipous j'ai buté depuis le début. Là, il y en avait deux. Je crois que j'en ai niqué un tout à l'heure dans la tranchée. Ça fait trois. Il y en a eu un autre, mais c'était un méca, il comptait pas. C'est les pipous nazis, on s'en fout. Ouais, mais c'est les pipous quand même. Tu sais que les pipous passent au-delà de la religion, de la comment on dit, de la politique, etc. Les pipous, ils sont pas politisés. On n'a jamais vu de pipous avec un gilet jaune, par exemple. Non, 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 c'est pas vrai. On en a jamais vu. Donc vous allez pas en poster. Allô? Allô? Ich bin Blazkowicz. Willkommen Blazkowicz. T'as quand même bouffé des croquettes. Bah oui. Bah quoi, c'est très bon, non? C'est des croquettes à base de chat, c'est délicieux, hein. Ok, impeccable. Let's go. C'est une tondeuse. Ah non, putain, c'est un générateur. Je crois que c'était une petite tondeuse, c'était rigolo. Et là, il y a encore des mécaniciens... Mécaniciens... Kampfhunden. Kampfhunden. C'est une ref à vol 3D. De quoi bouffer les croquettes. Oui, tiens, on va juste passer là pour récupérer les munitions vite, voilà. J'ai écrit chien gilet jaune, j'aurais pas dû. Je lui fais sauter les genoux, c'était super agréable. Ok. Est-ce que tu penses que je dois descendre ici? Il y a des trucs à récupérer. Ouais, il y a des trucs à récupérer, allez, j'y vais. Ah! Ça me pique. Il y a une carte là. Non, c'est quoi?
Document. Je pense que je vais faire des petits... En fait, je vais pas faire trop d'accent, tu vois. Mais je vais en faire juste un peu de temps en temps. Histoire que vous oubliez pas. Ah, bah on commence à côté la tondeuse en plus. Ok, c'est cool. Par là et par là. Ok. Kartoffeln. Kartoffeln. Kartoffeln salat. Il y a encore des pipes là, non? Je peux pas prendre l'épée là? Non. Chut. Oh la vache. Extrêmement violent comme jeu vidéo. Ok. Ok, ça c'est bon. Pourquoi vous voyez pas de baisse de framerate, vous? De toute façon, vous êtes à 30 FPS, donc à mon avis, ça doit être bon. Mais c'est vrai que c'est un peu chelou. Alors ici, je sais que... I knew that. Ah bah... Oh, normalement, il y a une épée à récupérer ici. Comment ça se fait? Ça l'a pas déjà récupéré quand même, ce serait bizarre vu que j'ai recommencé une partie. Ou alors peut-être que c'est en le mode de difficulté parce que j'avais recommencé une partie pour tester en Uber. Pour voir ce que ça changeait un petit peu et si c'était possible. C'est très possible. Mais du coup c'est bizarre les trucs. Oui, il y avait une épée en fait là, tu pouvais ramasser une épée ici en or et ça te filait du truc. Oui, je vais le faire après funérailles, t'inquiète pas. Avant je vais regarder un petit peu. Il serait plus trop d'actualité. Merde, j'aurais pas dû parler, le con. Il dit, c'est le portrait, joli portrait, général. Dommage, une fois que je l'aurai refait, il sera pas d'actualité. C'est stylé, tu vois, c'est cool. Non, j'ai rien fait. Je m'en vais. Hop là. Voilà. Je sais plus si j'ai streamé le jeu en Uber à l'époque ou juste en normal. Mais les modes de difficulté sont relativement intéressants, je trouve, dans Wolfenstein. C'est pas trop exagéré, quoi. Tu prends pas mal de dégâts aussi, ouais, mais les ennemis en prennent aussi. Donc c'est quoi, ça? C'est des meurtrières? Ah, t'es meurtrière? Hop, nique ta race. Ah, c'est marrant, ça. Ça va être chiant de streamer un Uber. Ah. Non, c'est pas possible. Il peut pas y avoir de chien. Je panique, j'entends des petits kleps. Allô? Warzone. Voilà, niquez tous. Votre race supérieure. Excuse-moi, je rentre. Non mais t'occupe pas de moi. Pff, voilà. Oh là là. Ils sont vraiment surpuissantes les armes dans le jeu. Y'a pas à chier. Y'a rien d'autre ici? Si, voilà. J'oublie à chaque fois de casser les caisses là. Mais ça aussi c'est sympathique. Alors qu'est-ce qu'il y a comme tableau? Je connais pas. Ça je connais ça. Je crois que je l'ai vu. Heil à tous, heil ururu. Par contre on va pas, non. On va pas commencer à dire heil pour dire bonjour. Ça c'est négatif, ça. Je sais que vous êtes tous un petit peu, c'est la liesse du stream, mais je dis non. Je m'insurge. Voilà, impeccable. Qui c'est qui tire, là? Il est con, lui, ou quoi? Les mecs, ils tirent sur personne. Voilà. Oh, pipe. Deux petits pipous en rab. À noter dans le carnet de tuage de pipou. Je vais m'en vouloir toute ma vie. Ok. Doudoudoudoudoudoudoudoud. Et donc du coup, Pounz m'a bien confirmé qu'un binou c'était un ours, un pipou était un chien, et qu'un pinou c'est un lapin. Il reste encore à finir le reste du vocabulaire, mais voilà, on a déjà le corps, tu vois, le corps vocabulary. Le lexique, elle est... Un pinou, oui, un pinou est un lapin, oui, parce que c'est un lapinou, donc forcément. Virmusen, Diyuden... Oh là là, non, c'est mort. Le canard, on n'a pas de canard encore pour l'instant. On n'a pas réfléchi au canard, il va falloir qu'on réunisse les... Comment on appelle ça? La réunion extraordinaire pour les canards. Ah, je vais tout leur niquer... Ah, oh! Mais attends, j'ai pas fini de manger vos cartoffels. Voilà, impeccable. Un quinou, ça peut marcher aussi, ouais. Ok, je leur ai bouffé littéralement tout leur truc. Qui c'est ça? Non, il n'existe pas. Ah bah c'est lui quand il était jeune. Les croquettes. Ce mec ressemble étrangement à un acteur. Eux, on voit bien que c'est du CGI, mais lui, j'ai l'impression qu'il ressemble vraiment à un mec dans un film que j'ai vu, quoi. C'est des vrais nazis, quoi. Ils ont des têtes de méchants de films, quoi. Les membres proéminents des LMF pour faire le vocabulaire des animaux. On dirait Benoît Hamon, c'est vrai? Oh putain, oui! Oh, chaud! Attends!
Ah, mec, c'est un peu chaud quand même. C'est un peu... Attends. C'est un petit peu chaud du cul, en fait. Attends, vous voyez, là? Je vois même pas si vous le voyez. Oh, merde. Oh là là, c'est chaud un peu, non? Vous croyez qu'il est au courant? Vous voulez pas faire un screen et lui envoyer? Mais attends, parce qu'il a, il a le même menton, il a les mêmes lèvres. Ah, oh, c'est vénère de ouf. Oh merde. On a un membre du cercle très fermé de Deathhead à notre gouvernement, quoi. Il fait quoi, Amon, déjà? C'est notre premier ministre ou quoi? Même les oreilles, mais oui, c'est ça qui est flippant. Non, c'est, je sais plus qu'est-ce qu'il fait chez nous, en fait, Benoît Hamon. Je suis tellement largué, mais... C'est quoi, c'est l'intérieur? Non, c'est qui? Mais dites-moi, je connais pas, moi. Barien. Comment ça, Barien? Ah, il est juste... D'accord. Je savais pas. Rien, il est OPS. Mais attends, comment il s'appelle le premier ministre, alors? Je me souviens plus. Mec, j'y connais rien, je suis largué à un niveau subliminal. Y'a quoi ici? Ah oui, il ramène une petite, pour le coup là, il ramène vraiment une petite brouette. Voilà, impeccable. Ah oui, Edouard Philippe, voilà, c'est ça. Edouard Philippe. Putain, Edouard Philippe, quoi. Vraiment le nom le plus français de l'histoire de France, quoi. Même Vercingétorix, il est franchement ralenti plutôt. Ralenti, mec, parce qu'on va pas pouvoir te suivre. On n'a pas assez de bleu, blanc, rouge là pour te suivre, Edouard Philippe. Edouard Philippe Martin Jean-Pierre. Ah oui, donc là il y a une petite. Oui, je me souviens de cette petite salle. Est-ce que je peux ramener moi la petite. Non, je peux pas? Ok. On va prendre ça. Jean Fionsal. Il va nous sortir de cette merde. José Fionsal. Allez, go! Alors on va rester ici, on va les arroser de loin. Ouh. Impeccable. Attends, il faut juste que je change d'arme. Voilà. Je crois qu'il y en a une ici aussi. Yes. Back, bring back. Oh, bring back my bunny to me. Cette chanson, je l'ai apprise dans Outlaws. Elle est très jolie. Les exterminer, tu penses pas que c'est un petit peu définitif? Tu veux pas essayer de pas utiliser ce vocabulaire, s'il te plaît? On va exterminer tous ces nazis. Ils sont mesquins, ces Américains. Ils sont mesquins. Ok. Ça, c'est bon. On va casser tout ça, voilà, regarde. On a plein de choucroute. On est tranquillou. Tranquillou de la choucroute, comme on dit d'ailleurs. Je suis au max là. Oh, bah le pauvre. Il y a un mec qui est mort exactement pareil dans l'avion tout à l'heure. Comme quoi, hein. C'était un mec de la Luftwaffe sur le portrait. Ah, non. La Luftwaffe, c'est la... l'aviation. C'était juste un SS, hein. Gamin vers l'abattoir. Impossible de faire bouger cette chose. T'as tout appris dans Outlaws. C'est vrai que j'ai tout appris dans Outlaws. C'est à ça qu'on reconnaît un bon jeu vidéo. Comme a dit Bou. Attends, je galère avec mon clavier là. Attends. Parce qu'en gros, mon micro il est un peu instable et il faut que je le cale sur mon clavier pour qu'il soit dans un bon angle. Putain, attends. Comme ça. Ouais, mais c'est pas mal, mais c'est un peu loin du coup. Comme ça. Comme ça. Ah là, c'est bien là. Yadar il va se faire swatter. Ah ouais, non, mais. Yadar, il va être fiché S en 7 secondes. Ils vont venir te chercher, ils savent où t'habites, hein. Et s'ils savent pas, moi je leur dirai, t'inquiète pas, hein. Tu vas à la messe le dimanche? Quoi, vous avez pas d'église en Angleterre? Pas de prêtre? Ouais. On a que des fish and chips. Bon courage pour trouver une église qui tient encore debout en ce moment. Toi aussi, tu supportes pas quand ton clavier bouge de quelques millimètres. Je suis très précis sur le placement de mon matos, en fait, et c'est vrai que... Quand il bouge un petit peu, qu'il est désaxé, c'est vrai que ça me saoule. Je suis pas quelqu'un de très patient. Allez, à mon tour. Aïe.
Le script, il m'a dit, bah non. Le script, il m'a dit, t'attends, c'est tout. Qu'est-ce que tu fais, là? Je peux savoir ce que tu fais? Ah, voilà. Aïe! En jeté large. Tu m'as rattrapé avant demain, quand même? Voilà, merci. Ferguson, je suis sûr qu'il s'appelle Ferguson. Il a une tête à s'appeler Ferguson. Waouh. Où ça m'est tombé? Rissian, c'est pas un peu une grosse tanche et la grosse boule qui répond pourquoi pas, faut voir. Tu vois, elle est pas sûre. J'ai les pieds cassés. Mais non. Une petite foulure. Ah. Ah, j'avais oublié cette salle. Ah. Mais pourquoi il fait... Ah oui, ah, mais y a du... bah, c'est sûr qu'il y a du... Mais c'est déjà sale, rajoute pas du vomi. Y a un paquet de cendres. Ah oui. Essayez d'ouvrir cette porte pendant ce temps-là. Mais pourquoi... D'accord. Ah, la vache, c'est dégueulasse. Je vous souvenais pas de ça, dis donc. C'est extrêmement malotru à faire à quelqu'un, pourquoi il fait ça? Ah. D'accord. Désolé, j'ai cru que c'était pour la porte. Abruti. Laisse-moi. Ouais non, quel abruti. Oh là. Ah, y'a un Simon 16 ici. Bip, boop. Merde. Qu'est-ce qu'on fait? Je peux aider? Je peux aider? Je peux faire un truc? Oui, je vais mourir. Allez. Je veux pas mourir. Warnung, Hartung. Ah, non, si, oui. Éviter l'incinération, trouver la clé. Ok, c'est pas là. Oh putain, il y a des animations à chaque fois en plus. J'ai l'impression de jouer à Red Dead Redemption 2. J'ai. Go. S'il vous plaît, putain, la vache, les yeux bleus qu'il a lui. Oh la vache. Go. Non, casse-toi. Je vais crever, casse-toi. Faut aller chercher lui. Oh, t'as retweeté, putain. Gadar, il a tweeté le truc à Benoît Hamon. Oh là là. Eh, tu dis pas que tu viens à cause de nous, hein. Tu dis que t'as fait ça de ton propre chef, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Ah. Attends, je sais pas si je peux encore le taper. Ouais, ok. Réutiliser son respirateur artificiel. D'accord, très bien, super Bane. Au. Voilà. Son visage à découvert. Ah oui. Ah non. C'est la merde. Ouh. Attends, vous pouvez lui tirer dessus s'il vous plaît. Au. Là, je suis en train de me prendre des pans dans la gueule. Ok, je me concentre. Voilà. Ouh. Ok, ah, d'accord, très bien. Ça n'arrête jamais. C'est vraiment la merde. J'aime pas la guerre. En vrai, j'aime bien, mais c'est chelou. J'ai des relations conflictuelles avec la guerre. Il est cool cet ennemi, j'aime bien le design aussi. Enfin, moins maintenant, mais tout à l'heure, ça allait. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Il ressemble à pas grand-chose qu'on connaît, lui, non? Un petit côté Manuel Valls. Oh, merde. Attends. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Y'a pas un... Qu'est-ce qu'on peut faire? T'es vraiment un connard, toi, maintenant que j'y pense. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites ici, messieurs? C'est pour les calendriers? Alain Juppé. Non. Oh non, le pauvre. J'ai perdu le compte. Attends, je remets mon boxeur, j'ai une coule qui dépasse. Voilà. C'est une langue. Ah ouais, carrément. Il y a un truc qui est dommage dans le jeu, c'est qu'on entend pas beaucoup la bande son, alors qu'elle est vraiment génialissime, et le guitariste de Meshuga a aidé sur pas mal de titres, et elle est pas assez mise en avant, pas comme Doom. C'est un peu dommage. C'est pas grave. En plus, je suis déjà blond aux yeux bleus, c'est la moitié du boulot, hein. Hein, le boucher. Dois-je vous appeler le ou le boucher? J'aime beaucoup
ses yeux. Monsieur Boucher. Christiane, tu vas faire The Old Blood. Je sais pas encore, Alain, on verra, pourquoi pas. Cette scène est un peu dégueulasse, je crois. Par les siens, ils sont déjà abîmés. Quel dommage. Quel dommage. Mais déjà, quand ton surnom, si tu veux, c'est Le Boucher, est-ce que t'as pas une petite part de responsabilité personnelle? Moi, je le prendrais super mal. On choisit lequel, les gars? À votre avis, dites-moi, lequel de ces deux-là profitera le plus à mes recherches? Appelez-moi Boucher, pas de chichi entre nous. je sais pas, je m'en fous des deux, donc... sauf si Fergus. Vous refusez de répondre, bute les deux. Momo qui est du côté des nazis. Oui, mais attends, je veux bien choisir, mais j'ai pas le choix. Vous n'avez qu'à regarder en direction de ce... Droite. Les deux sont chiants. Ah. Je sauve. C'est pas lui, c'est pas Wyatt qui revient dans le 2 d'ailleurs et qui est un relou. Allez, capitaine, choisissez pour moi. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. J'ai choisi un truc, je sais pas ce que j'ai choisi. En fait, j'ai tourné, j'ai appuyé sur E. Des échantillons. Je sais pas s'il va m'en vouloir. Vous allez me sauver, pas vrai? Ouais, t'inquiète. Vous pouvez le faire. Oui, t'inquiète. J'arrive. Je mets mes chaussures. Ah. Le général Strasse. Aujourd'hui, il m'a appris quelque chose. Strasse, ça veut pas dire juste rue, je crois. J'ai vu la souffrance, la mort, mutilation et torture. T'avais pas vu ça avant, l'armée? J'ai avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la fraternité. Ah, voilà. Jusqu'à maintenant. Compte jusqu'à 4. Inspire, compte jusqu'à 4, expire. En vrai, j'aime beaucoup ce Blazkowicz là, il me fait vraiment beaucoup rire. Ah non, non, mais pas le thermostat, on s'en sortait bien. Oh. En fait, je l'imagine bien avec la voix des contes de la crypte, tu vois. Oula, il est pas content. Oh la vache, les abdos qu'il a par contre. Arvidezen. Ça veut dire, je te verrai dans un prochain. Je vais tenter un truc. Quoi? Tu sauras quoi faire. Bah, il est pas mort parce qu'il lui a retiré les yeux quand même. Attends. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Il te regarde, hein. Il va te péter la gueule, hein. Oula, il est conflicté. Ok. Relâche-le. Oui, enfin, c'est pas vrai, lâche-le, t'avais aussi le temps de te libérer, toi, non? Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Oh, d'accord, ok. Et il est mort, Fergus, ou pas? Non? Il doit pas arracher un bras ou une connerie? Non. Oui, mais... Ah, c'est bidon! Ah, c'est tout bidon! Pip! la clé, elle est pas aussi là? Non? Mais... Ah, mais c'est toi qui parles, d'accord, ok. Je comprenais pas, je me disais, il y avait trois voix en même temps, et qu'est-ce que c'est que ce délire? Avec le vieux bruit de plat en inox. Oui, mais c'est ça, on dirait qu'ils ont utilisé, tu sais, les assiettes en alu à moitié, là. Ah, ok. Mais, c'est comme ça. Ah, je me souvenais plus de ce mini-jeu là. Oula. D'accord. Aïe aïe. Ah. Ich bin retarded. Ich bin bavose. Du bist mein gros copain. Todd Howard presents another failed opportunity. Pourquoi eux, ça leur fait toujours des cicatrices stylées? Ouais, y'en a pas un qui a juste une tête conne. C'est pas genre des gueules cassées de la Première Guerre mondiale, tu sais. Machine games. Holy fuck. That's some shit. Ah, mais c'est pas dans celui-là aussi où il passe genre 17 ans dans le coma et il se réveille et il est direct chaud pour la tête du nazi? Si, c'est celui-là, je crois. Attends.
Si, c'est ça, ouais. J'adore. C'est l'exemple de débilement virilisme que je préfère, je crois. Non, il y a un exemple de truc débilement viriliste qui me plaît par-dessus tout, je crois. C'est Attends, j'ai niqué mon... Non, c'est bon. Dans 007 Casino Royale, où il se fait éclater les couilles par Mads Mikkelsen avec la chaise trouée et le nœud brûlé, là. Il lui éclate les couilles pour qu'il parle. Et genre, une journée après, il est chaud pour se taper Vesper, quoi. Il y a vraiment aucun problème. Oh, j'adore. Des œufs bruits dans le crâne. Un petit déjeuner équilibré. Ok, mais est-ce que tu peux parler un peu plus loin? Ça me plaît qu'à moitié, est-ce que tu veux? Apouchipoupichi. C'est quoi votre langue de barbare, là? Hey Ruru, comment vas-tu? Et le chat? Petite journée, Max Mildan, mais écoute, on fait avec, hein. Moi, là, tant que je suis en train de jouer à un jeu vidéo, je suis content, moi, tu sais. Ça chatouille dans la nuque, madame. Un rispina, une grosse nazi. C'est du polonais, ça? Voilà, tout le monde part en même temps, y'a vraiment aucun sens. Oula. Kurva. Oh, kurva. Regarde, ils sont super stylés, leurs masques. Oula, lui, il est vraiment pas content non plus. Grosse journée de merde de mon côté. C'est un peu pareil, Momo, hein. Faut que t'arrêtes vraiment de chuchoter dans mon oreille, toi, j'aime pas ça. Attends, c'est pas ça, son père à elle. Y'a un truc, non? Merde, je me souviens plus. Non, je confonds avec un truc. Étrange, piégé dans mon propre corps, je m'évanouis. Parfois, on change de saison en un clin d'œil. J'ai du mal à réfléchir. Mes pensées se dispersent comme une odeur qui s'envole au vent. Oh, le poète. Mais je fais des progrès. Voilà ce que je sais. Je suis en Pologne. Un hôpital. Non, un asile. C'est l'infirmière en chef. Ça, c'est son père, le psy. Sa mère, une sorte de pharmacienne. Il dirige le centre. Bizarrement, ils sont parfois tous bonnes. Noël ou des anniversaires. Parfois, des nazis viennent. Ils repartent avec des patients menottés. Le général Strasse se sert à volonté. Le psy fait des scènes, mais il finit toujours. Le général Rue. Pas le choix. Merde. J'assiste à tout ça. Merde, si tu dis Strasse, ça fait Rue, je suis niqué, moi. Je suis en vie grâce à eux. Je me rétablis grâce à elle. Elle s'appelle Anya. Elle prend soin de moi. Elle veille sur tout le monde. C'est elle qui fait tourner le centre. Elle aurait dû être mariée, mais la vie en a voulu autrement. Qu'est-ce que t'en sais? C'est toi qu'on a voulu autrement, surtout. Ah! Nutnicht? Oh non, attends, il y a encore un petit bout, une saucisse et un petit bout de côtelette, là, je peux? Avant de partir? Si vous voulez, oh, juste la côtelette. Ah, ils ont changé de masque aussi, les nazis. En 17 ans. Oula. Ich bin pas contente. Ah. Oula, par contre, t'as tapé ma copine l'infirmière, ça va chier, là. Ah. Eh bah oui. Bah, il est là, le problème, hein. Ah. Même les nazis, ils trouvent que lui, il est trop nazi. Regarde-moi ce nazi. Ouïe. Par le pouvoir de la côtelette et de la bratwurst, je vais tous vous niquer, vos races. Ah. Où est-ce qu'ils t'ont emmené? Dans ton cul. Arrête de chuchoter, ça me casse les couilles. Mon compote. C'est rien, ça. C'est bon, la compote, en plus. T'inquiète, ça va revenir. T'as juste passé 17 ans sans bouger dans un siège, hein. Voilà. Merci beaucoup pour le sub, Tajin. Ça fait super plaisir. Bienvenue. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que du coup, les armes ont changé. Ne devrait mourir comme
depuis ce qu'on a joué avant, du coup, le Luger, il est différent, etc., etc. Et je trouve que c'est un très très joli détail. Ah, non, c'est pas ça que je voulais. Oh, c'est pas grave, tant pis. C'est qui me tire dessus? D'accord, j'ai fait n'importe quoi. Je sais pas pourquoi ça a pas marché mon exécution, du coup, je me suis fait niquer tout seul. Je recommence. N'importe quoi, je me suis fait pulvériser, quoi. Ça a dû être ridicule pour les nazis dont ils ont dû voir un mec qui boite et qui tient pas bien son flingue. À tous les gens qui trouvent l'allemand barbare comme langue, venez en Suisse écouter du suisse allemand, c'est bien pire. Moi justement j'aime bien l'allemand, je trouve que c'est une jolie langue. Forcément quand c'est parlé par des barbares on dirait du barbare, mais ah voilà, c'est ça que je voulais. Comment on lance les couteaux? Je sais pas comment on lance le couteau en fait. C'est pas grave, on verra plus tard. J'ai chopé le fusil d'assaut? J'ai chopé le fusil d'assaut! Du coup, c'est bon, je suis immortel. Bonsoir? Comment on fait pour lancer les couteaux? Je me souviens plus. Attends, ça doit être dans les options de touche! T'as une coutelatte! T'as une coutelatte! Je me fais rire tout seul. Ah! Ah, c'est quand tu lises en double, je crois. Ouais. Ah, yeah! Ça pique. Ça me pique dans mon cervelette. In my cervelute! Ah! D'une petite picotement. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui te chantait des romances. Ah. Oh. Picotement con. Il m'a pas vu ou quoi? Il est complètement con. Oh putain, oui, ils ont des beaux masques les nazis, par contre, sont un petit peu cons. Attends, mais comment je fais pour les lancer les couteaux d'Aine pas comprite? Y'a rien eu. Y'a rien eu. Viens pas par contre, je dis ça c'est pour toi, poteau. Je dis ça c'est pour toi. Das ist für dich. Sprich ihn für dich. Bonsoir. Ah, il est vraiment pas venu. Hein. Comme quoi. À partir du moment où t'as un petit peu de persuasion, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Lui, il est mort vraiment pas de sa belle mort. Là, y'a quoi ici, là? Rien. Essaye de clic molette pour les couteaux. Mais j'ai essayé, j'arrive pas. C'est ce que je suis en train de faire. J'essaie de clic molette, en fait, là. I don't understand. Je sais pas comment on fait. I don't know how you do it. Peut-être que j'en ai pas assez des couteaux. Bah si, normalement, à partir du moment où t'en as deux... Attends, je vais vérifier quand même. Parce que, est-ce que je me souviens, le couteau, il est vraiment super utile. Désactiver deux armes, lancer grenade. Modifier... Ah, c'est... Ah, corps à corps, lancer couteau. Bah si, pourtant. Bah... Qu'est-ce que c'est, cette connerie? Pourquoi je peux faire ça? Complètement con. C'est peut-être comme ça? Non, bah non, toujours pas. Et si je change? Bah non. Ah, ça fait juste une petite chorégraphie différente, c'est nul. Et là? Non. Ah d'accord, tu peux changer de stab quand même. Je sais pas comment ça marche. Bon, je sais pas. C'est pas grave, on fera sans. C'est pas, on a des fusils d'assaut, hein, au pire. Hein, pour tirer de loin, on a ce qu'il faut. Hein, mais c'est con parce que c'était sympa dans les parties où tu peux te faufiler. Oh, ça m'a fait roter, dis donc. Parce que ça, ce fusil à pompe en plus... Attends, mais c'est là qu'on l'a, le fusil à pompe? Putain, je pensais qu'on l'avait bien plus tard. Oh, la vache! Bon, bah voilà, c'est bon. On a ce qu'il faut. Pff. Oh, merde. Trop tard pour l'alarme, poteau, hein. Ah, il est pas si balèze que ce que je me souvenais, par contre. Oh, ah, d'accord, attends, j'ai eu un problème. Oh, pardon. Mais j'arrive pas... Qu'est-ce qui se passe, là? J'ai rechargé 4 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est pas... Bah oui, mais c'est bizarre, non? Le nazisme, quand ça atteint le cerveau, tu perds les fonctions basiques. Oui, il y a des choses qui se déclenchent toutes seules. Ah, d'accord, je recommence tout. Bah écoute, faisons comme ça. Alors attends, on va revoir les couteaux. Maintenir pour équiper, d'accord? Non, bah je ne sais pas comment faire. C'est pas grave. On fera sans. Tant pire. Ich nicht avoir besoin de lancer des couteaux. De toutes les façons. Ok. Ouah! Vous avez bloqué un atout éclaireur. Ah bon?
Dans quel rudiment? Pourquoi faire? C'est lui, Whisky. T'es sérieux, il m'a pas vu lui? Eh mais les gars, faut arrêter les œillères sur les masques nazis, hein, ça pose vraiment un problème. Ça va mon petit Kiki? T'es chaud pour samedi? Quand tu sprintes, ça stoppe le rechargement, je crois. D'accord, bah je vais essayer d'arrêter sprinter alors. Merci beaucoup, Lyoda. Mais c'est des fois, je suis... Ouais, mais là, il a cherché la merde. Il a vraiment cherché la merde. C'était pas ma faute, hein. Mais non, il est mort avant de dire alarme en entier. Du coup, ils ont pas pu comprendre. Tant pis, c'est pas grave. On va faire sans. J'aimerais bien juste récupérer le fusil de chasse, là-bas. Hop, je prends, ça je prends aussi. Voilà, impeccable. Bon ouais, le fusil de chasse... Oh, finalement, je crois que ça va. Mais je crois que c'est... Ouais, je crois que t'as raison, c'est parce que j'ai sprinté, en fait. Ouf. Tuer des gens qui peuvent même pas se défendre. Moi, j'aime bien tuer des gens, mais quand ils peuvent se défendre. Ce qui fait de moi quelqu'un d'équilibré. Je suis un vrai Américain. I'm a real American man. Bonsoir, je suis là, hein. Ouf. Ok. Donc il y a du démembrement. Ok, je retiens cette information qui est quand même capitale. Une émission avec Emmanuel Chien d'ailleurs. Mirka. Ok, je peux monter. Y a rien en haut, y a même pas un petit. Ah voilà, j'en étais sûr. Ich bin sûr. Faut que j'arrête de juste traduire ce que je dis en allemand. Parce qu'en plus, je sais pas parler allemand, du coup, c'est juste problématique. C'est toxique, comme ils disent dans les magazines. Pour femmes. Ah, ça c'est cool. Et je piche, pouche, piche. Attends. Ouf. J'ai l'impression que le petit coup sur la tête, c'est... Ouf. C'est juste méchant, en fait. Il y a aucun attrait, comme on dit, tactique. C'est juste pour la méchanceté du geste. Je peux monter là? Y a pas un autre truc caché, là? Ah, je peux passer. Même si c'est complètement con. Bah oui, je suis déjà venu ici, oui. D'accord, ok, non, c'est juste pour le plaisir que tu peux revenir, d'accord, je vois. Physique, c'est pas comme ça que ça s'écrit, mais c'est pas grave. C'est de l'appropriation culturelle, monsieur, je suis désolé. Oh, je regardais le chat, je lui ai fait un headshot vraiment réflexe, lui, il est, je pense qu'il est parti directement dans le paradis des nazis. Hein. Qu'est-ce qui est, la balle? Dans le paradis des nazis, c'est l'Amérique du Sud. Je crois qu'ils y sont tous en ce moment. Ah, Master Shooter, merci beaucoup. Ouf, oh la vache! Leur ragdoll est vraiment rigolo. J'aime vraiment, je trouve que le fait qu'ils aient fait deux designs pour les armes, un design des années 40-50 et un design des années 60, c'est vraiment super sympa. Ça témoigne, de la passion du Christ. De quoi? Par contre, est-ce que je peux changer de mode de tir? Non, c'est pas ça que je veux. J'aimerais bien juste changer de mode de tir parce que j'aime pas le mode rafale. Est-ce qu'il y a un bouton pour ça? Ah, je suis désolé, hein, au début du stream, forcément, il faut que je regarde un petit peu ce que je suis en train de faire. Parce que là, c'était modifier le mode de tir, mais ça marche pas, en fait. Donc peut-être que je l'ai pas. Peut-être que j'ai pas de mode de tir, tout simplement, coup par coup. Hein. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. I don't need it. Fegelein, c'était un officier de la Wehrmacht. Attends, je crois que t'as un item spécial à l'étage caché dans un grenier avec une trappe. Ok, je vais essayer d'aller voir. Je vais essayer d'aller voir. Au. Vassistos. On va faire comme dans... comme dans Medal of Honor. Ouh, putain, 8 PV. Ouh. Vas-y, venez les gars. Alors ça, par contre. Eh ben, c'était chaud du cul, mon gars. Ça, j'ai fait du ménage à un niveau... J'ai envie de dire ethnique. Mais bah du coup, je vais essayer d'aller voir dans le grenier, si tu dis qu'il y a peut-être un truc planqué dans le grenier avec une trappe. Tu crois qu'on peut passer par là-dessus, là? Non, ça c'est une barricade de jeux vidéo, ça, on peut pas. Une trappe, tu dis? Je vais aller chercher vite fait. Il va trouver Anne Frank. Je suis déjà venu ici. Oui, mais je sais, connard. Ah ouais, aïe. Ah. Oula. J'aime bien, là, le mec, il a tout le temps une masse musculaire de mec de 140 kg, alors que ça fait 17 ans qu'il a pas bougé, mais aucun problème, quoi.
C'est... Donc ça c'est pas là. Qu'est-ce que tu fais? Touche pas à la mire. Putain, mais le mec il touche à la mire. Mirland machine. Massage pénien. Dans Desta, la pequeña Trapino. La Trapinos. Y'a rien ici là? Un fortune, des universum. Ah, ich bin content. Dans la folie des grandeurs, il y a un gros passage où Louis de Funès imite de l'allemand. Il essaie de parler à une allemande. C'est assez ridicule et j'adore ce passage, mec. De toute façon, ce dimanche prochain là, je vais essayer de vous faire un stream typiquement film français et ce sera la folie des grandeurs et les tontons flingueurs sur un seul stream. Y a rien sous les lits là. Non, y a rien sous les lits. Ok. Tassispo musculature shaft. Tassis a une kleine musculature shaft. Bon bah je trouve pas le passage, j'ai pas envie de passer trop de temps non plus, donc on va y aller, c'est pas grave. Si c'est juste pour un petit secret en plus, c'est pas forcément nécessaire. Même pas un film de Christian Clavier. Non, je parle... Quoi, assassin? Je parle un assassin, moi. Je tue des nazis. Mais monsieur Blazkowicz, qu'est-ce que ça vous fait de tuer tous les êtres humains? Je sais pas, je tue des nazis. Ah. C'est vraiment super rigolo ce mini-jeu. Je m'en souvenais vraiment plus de ce mini-jeu là, c'est marrant hein. Il m'a pas du tout marqué quoi. Là y'a rien d'autre ici là. Ah. Ah bah si, y'avait. Ouh, ok. J'ai gagné une petite figurine nazie et apparemment ça m'a fait gagner un truc. C'est quoi? Chaque amélioration sur... Ah, ok, personnage. D'accord, artbook. Putain, j'ai un artbook par contre de ce jeu-là, ça doit être plutôt stylé. Faire du Michel Leb en allemand, c'est easy. Le passage avec l'ombre du Lux qui lui fait une coiffure à la Adolf. Ah ça, c'est pas dans... Oui, c'est Babi fait de la résistance, ça, ouais. Mais Non, je vais vous passer aussi Tonton Flingueur, j'adore Tonton Flingueur. Je passerai La Folie des Grandeurs avant Tonton Flingueur parce que j'ai l'impression que c'est un peu plus grand public quand même. Attendez les gars, oula. On y va tranquillou, voilà. Non, vous partez pas par contre, restez. Restez, déconnez pas. Attends. Et puis qu'est-ce qu'ils foutent en Pologne déjà ces connards? Ok, ça c'est bon. C'est une grenade IUM que... T'es pas mort toi? Je me disais aussi. Oh là 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 là. Oh j'adore. Le feedback du flingue, il est vraiment parfait quoi. Oula. T'as si ça une mauvaise nouvelle? Oh des man hacks. C'est des man hacks de Half-Life 2. Y'a un truc qui est descendu? Ok. Ah waouh 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 waouh. Voilà, ça c'est bon. Je peux ramasser des petites pièces d'armure, non? Non, pas encore. Ok. Y'a rien dans la flotte? Je peux même pas sauter dans cette petite fontaine, très bien. Le fun à l'état pur. Monsieur Blazkowicz, comment on fait pour tuer des femmes et des enfants? C'est facile, il suffit de tirer un peu de vent. C'est pas grave, c'est des femmes et des enfants nazis, c'est pas pareil. C'est pas récemment une nana qui était en train de conduire bourrée et qui a écrasé un membre proéminent du Ku Klux Klan aux USA. Et quelqu'un avait tweeté « C'est vraiment irresponsable comme conduite, elle aurait pu tuer quelqu'un ou je sais pas quoi. » Et ça m'a fait un peu rire. Allez, go. Ah, je me craque le dos, excusez-moi. Voilà. Oula, oh la pauvre, elle a sa petite snoute qui, qui saigne. Elle saigne de la snoute. Allez champion. Chauffeur, si t'es nazi, appuie sur l'accélérati. Appuie sur spaghetti, oula. Est-ce qu'ils sont endormis jusqu'à là où ils sont arrivés? Oh là là. Appuie sur ton zizi, lol, Drekten. Ha ah. Ah, ha ah, ah. Ha. Ouh. Ich bin avoir du mal à déclutir.
Maintenant, je me souviens pourquoi j'aime pas le personnage d'Anya dans ce jeu-là, alors que... Kurva devrait pas comprendre. Kurva comprendre. William J. Blaskowitz, Ranger Army, USA, USA. Je m'excuse, je parle pas bien polonais. Vous êtes en état de conduire ? Pour aller où ? Aucun accent, hein. Ok, go. Et oui, donc c'est pour ça que je déteste le personnage d'Anya alors qu'on vient juste de la croiser, c'est parce que je me souviens de la scène dans le 2 où elle est enceinte, torse nu, avec deux mitrailleuses et couverte de sang. Et j'ai jamais trop pigé ce que c'était que ce délire. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, j'arrête. Dix-sept ans plus tard, les nazis avaient inventé la boîte de vitesse automatique, ce qui empêcha Blasco de partir en voiture. Il fut arrêté peu de temps après dans l'hôpital polonais et fut incarcéré pour homicide volontaire sur 3 milliards de nazis. Toutou. Bah si, Slow, t'as une... T'as... Ouh. C'est son club de golf. Ouf. Ah oui, bah là, ça a dû faire mal. Attends, tes os, ils ont pas connu de choc depuis 17 ans, mec. Regarde-le, regarde, il a pas perdu de musculature en 17 ans. J'adore, ça me fait trop rire. Partager leur douleur, trop poignante. La mienne inonderait les océans. Oh l'autre. Me noierait. Oh le mec. Ouais, ils sont super tristes, mais moi je suis encore plus super triste. Le vrai américain. Ah oui, ils pensent que les Polonais ils sont tristes. Eh ben les Américains c'est eux les plus tristes. Il va falloir que je contacte l'armée américaine. Il faut que mon unité sache que je suis toujours en vie. Il n'y a plus de guerre. C'est fini, il n'y a plus d'armes. Ah ouais. Il sort son fusil de chasse. Nazis dans le coin. Ils ont gagné. Tout est fini. Les nazis dirigent le monde maintenant. Ils sont partout dans le pays. Partout. Et les amis, ils ont pas encore inventé le caïchol en Kevlar. Les États-Unis. Ils faisaient de la muscu catatonique à l'hôpital. Trop stylé, mon gars. Capitulé, ils ont... Ils se sont rendus. Oui, à cause de... À cause de la bombe atomique. Ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Oui. La doubleuse, ce serait pas celle qui joue Demetra ? Je la trouverai et je me joindrai au combat. Oh non. Attends. Si, la doubleuse, on la connaît. Attends. J'ai l'impression que c'est elle. Comment elle s'appelle ? Demetra dans Kaamelott, je me souviens plus du nom d'actrice. Demetra. Kaamelott. Caroline Pascal, je suis sûr que c'est elle. Il y a des inflexions dans la voix qui sont typiques. Vas-y, Wikipédia, let's go. Doublage. Ah donc, oui, elle double Olivia Wilde, donc forcément. Série télévisée. Je suis un commandant entraîné. Série animée. Jeux vidéo. Sous les ordres du général Strass en personne. Est-ce que vous savez quel sort vous attend ? Sérieux ? Ne me libérez pas. Ça ne sert à rien. Elle a de pas... me retenir ici. Bah merde. Ah bah si, il y a l'autre côté. Ah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est bien elle. C'est bien elle. Je suis pas fou, c'est bien elle qui a doublé C'est bien Demetra dans Kaamelott du coup qui double Anya. Anya. Moi je soupe. Oh, des petits raccoons. Regardez des petits raccoons rigolos. Bonsoir. Toi, tu vas mourir vraiment salement. Je trouve juste un truc pour te buter et puis on s'en sort, d'accord? Tiens, je vais prendre cette montre qui m'appartient pas à moi, mais tant pis. Besoin de protection? Nani Colet? Ah. Ah. Oui, il faudrait pas se salir quand même, ce serait con. Depuis tout à l'heure, on chasse des mecs à coups de couteau, mais il faut quand même foutre un petit tablier. Supérieur. Ouais, je sais. On va voir ça tout de suite. Bah, mais... Je vais vous poser une question.
Ah, c'était ridicule. C'est ridicule. Ah, je m'en remettrai pas, putain. Vous avez capturé. Navré, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Nous avons les moyens de vous faire parler. Ah, c'est du matériel polonais, hein. On fait ce qu'on peut, hein. Mais attends, c'est quoi sa tronçonneuse? C'est un V8? J'entends pas. Qu'est-ce que vous voulez? Où sont les combattants de la résistance? Berlin, la prise. Et c'est qui le doubleur aussi de Blazkowicz? Ça me rappelle quelqu'un? Mais vous n'y arriverez jamais. Il y a des barrages. Il a pas doublé Batman dans un truc? Vous recherchez tous les deux. Ils vous trouveront bientôt ici. Et ils vous mettront à genoux. Non, gotowe. Parfait ton cosplay de Bane. Dans Last Man, la daronne de la gamine. Putain, oui. Oui, mais de toute façon, ce doubleur fait beaucoup de trucs. Et oui, il est dans Last Man. Comprends pas. Allô. Patrick Poivet, le doubleur de BJ. En route pour Berlin. Regarde, il a mis son plus beau costume de résistant, Blazkowicz. Avec les mitaines. C'est ça qu'on reconnaît. Étouffe le bruit de nos pas. Et de nos souffles. Protège-nous de la tempête. La bande-son est vraiment sympathique aussi, hein. Mine de rien. Il y a Mick Gordon aussi d'ailleurs à la musique, mais c'est dommage, c'est juste pas aussi mis en avant que sur les autres jeux, mais ça devrait, tu vois. De ces loups affamés. Mais vous savez qu'en plus, c'est quasiment pas possible de trancher quelqu'un à coup de tronçonneuse, hein. Genre leur faire très mal et les tuer, ça oui, y a pas de problème. Avec une tronçonneuse, c'est possible, mais la peau, les poils, les cheveux, ça se coince dans la lame, enfin dans la chaîne, et ça te nique en fait ta tronçonneuse extrêmement rapidement. C'est pas du tout fait pour, hein. Ouais, y a Mick Gordon, et puis oui, je vous dis, y a le mec, un des gars de Meshuga aussi dedans. Laisse tomber. La tronçonneuse va déchiqueter la chaîne, mais elle va bloquer après quelques secondes. Bah voilà, il y a le souci. Ou alors il faut se battre uniquement contre des gens qui sont faits de bois. Mais alors là, faut les trouver, les mecs, hein. Comme Mokujin en fait dans Tekken. Et encore, il a des chaînes. Attends, je vais récupérer la petite veste. Je suis bloqué. Ok. Je veux ça. Yes. Y a un autre là-bas, là. La forêt, c'est pas un ennemi? La. Ok. Comme Marie la forêt? J'ai pas d'autre arme? Ah si, j'ai mon couteau. Ok, tout va bien. Littéralement, ma bite et mon couteau, quoi. Je vois l'ambiance. Nice. Ok, on va essayer de s'infiltrer. Autant que faire se peut. Ah bah, en plus, j'ai chopé un silencieux, donc du coup, c'est tranquille ou bilou. Est-ce que je l'ai équipé? Oui. Pekeb. Ouh. Ok, chut. Blip. Merde. C'est pas grave. Pourquoi je loupe à chaque fois la première élimination? Je lui mets un coup de couteau dans le cul, je comprends pas. Est-ce qu'il est mort en faisant un salut nazi? Oui. J'hallucine. Jusqu'au bout, le mec. Jusqu'au bout, quoi. Ok. Ça s'est fermé. Tranquille ou bilou, ça va les 40 ans. Tranquille. Tranquille ou bilou. Ok, là il y a une mitrailleuse lourde, faut que je le retienne. Je pense qu'il doit y avoir un connard ici ou deux. D'ailleurs, c'est marrant, je me souviens pas qu'il y a un sniper dans le jeu. Il y en a pas, non? Ça me rappelle vraiment rien. Ah, même. Ah. Nani? Quoi? Bah, oh là là, mais pourquoi? Ah mais...
Ah mais t'es chiant toi Oh le con. Bon bah écoute, je vais aller tous vous défoncer vos gueules, je suis désolé hein, j'ai pas le choix. Oh des pastèques. Ok. C'est bon, en l'intérieur on risque rien. Attends, j'ai vu... Eh ! Voilà. J'ai vu une alter, ça m'intéresse. Je veux savoir combien ils soulèvent les nazis. Voilà. Encule ta daronne. File-moi tout ça. Miam miam. Il est en train de te foller la choucroute. Ok, ok. Oula. Les pipous, ils ont changé. Ouais, ils ont changé complètement. Il leur a enfilé des gueules d'agrafeuse. Au, 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 au. Putain, y'a... Toi, ta gueule, voilà. Ça, c'est bon. Il est où Putain, ils rentrent dans les bâtiments, ces trucs-là, en plus. Ils sont plus agiles que les drones de maintenant, tu sais. Ok. Ça, c'est fait. Alors, attends, c'est quoi la truc, là? 5 kilos, donc ça, c'est 2 kilos. Ça, la barre, c'est 1 kilo, ça fait 10. 7, 7, 14, 15, 15 kilos. C'est pas énorme, hein. Franchement, les frites, c'est pas énorme, hein. Vous pouvez faire mieux. Je sais que vous avez le potentiel pour faire mieux. Ok. Eh. Non mais je veux dire, c'est pas petit 15 kilos. Et c'est pas ouf pour des mecs qui disent qu'ils sont la race de mon cul là, c'est pas ouf. En plus ils font pipi dans des gros vases. Donc non, je suis désolé, c'est pas ouf. Au 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 au. Quoi? Qui ça? Toi là? T'as pris pour toute ta génération toi. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait, qui dit l'autre. Oh, j'hallucine! La présomptuosité du mec. Mais tu vois, pourtant, je suis au max niveau couteau. I don't understand vraiment. Bah merde! Vas-y, Stein. Bon, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant pis, on lancera pas de couteau tout de suite. Je vais aller visiter en haut, je crois que je suis pas tout à fait vraiment... Si, bien sûr que je suis allé. Oh. Nani ? Bah monte. Pourquoi Blazkowicz, il est con ? Bon bah tant pis, c'est pas grave. On se démerdera autrement. Et c'est comme si tu lançais une grenade, le bouton grenade mais avec les deux couteaux. Donc c'est ça. Non, hein, ça ne marche juste pas. Non, ça marche pas, hein. Je sais pas, mais tant pis. Tampiren, comme on dit. Ça se dit, non? C'est bizarre, dans les souvenirs, on pouvait balancer... Non, mais oui, bien sûr, mais... Lancer un couteau en allemand, Wirfeinmesser. Wirfeinmesser. C'est pas Werf, comme le Flammenwerfer. Je peux avoir ça? Ah, j'ai pas trop confiance avec la vieille là. Je viens de me taper 4 fois le bord du pied au même endroit, 4 fois que je charcute la chair encore plus maintenant que ça saigne comme pas possible. Lul. Ah. Et tu veux pas faire autre chose de ton mardi quand même? Enfin non mais je propose hein. Vous venez? S'il vous plaît. Ah, grenade. Ça m'a fait extrêmement peur. Vous faites peur, tout ça. Putain, la vache, il est balèze, lui. Est-ce que je suis en train de me planquer juste derrière les explosifs? Attends. Comment ça, Nine? Attends. Non, c'est bon. Ok. Non mais bouton milieu, non mais j'ai tout testé les gars, bouton milieu, bouton des trucs, M3, j'ai tout fait là. Et j'ai appuyé sur tous les boutons qui existent. Ça c'est quoi ce... Ah merde. Voilà. J'appuie sur tous les boutons mais y en a vraiment pas. Télécharge ta RAM. Tu peux pas rebind la touche? Bah attends, je peux essayer mais je crois que c'est la même touche pour le corps à corps en fait. Donc ça va me faire rebind les deux, tu vois. Lancer une grenade... Tu regardes corps à corps, lancer couteau. Je suis pas con quand même. Ou c'est pas un truc. Non, bah je sais pas. Je sais vraiment pas, c'est super chelou.
c'est pas grave, hein, c'est pas gravissime, de toute façon on a les flingues silencieux, etc. Mais c'est con, quoi, parce que c'est plutôt sympa, ça te sort d'une connerie assez vite, quoi. Mais bon, c'est chelou, bah ouais, peut-être que mon jeu a un problème. Pourtant c'est dommage, c'est un des seuls jeux que j'ai pas téléchargé, quoi. C'est quand même con. Rebind-moi tout ça, appuie longuement. Non, c'est de la merde. Depuis le début, ce que vous me dites, c'est de la merde. Je suis content que vous essayez d'aider, hein, mais... Il y a peut-être des couteaux de combat et les couteaux de lancer. Ah, ça, c'est possible aussi, Binocle. Ça se trouve, on peut juste pas les lancer pour l'instant. Hein. C'est très possible aussi. On peut l'ouvrir, ça, non? Ça serait con comme ergonomie de devoir appuyer longuement pour lancer un couteau. Bah oui, voilà, c'est ça, c'est un petit peu débile, mais bon. Non, mais on va voir, ça se trouve, on va en looter des couteaux de lancer. Hein. C'est juste que ça, c'est pas des couteaux de lancer, quoi. Ça se trouve, on est juste en train de se galérer pour rien. Hein. Peut-être la compétence. Ah oui, c'est vrai. Tu dois le débloquer l'atout pour pouvoir les lancer. Bah voilà, donc en fait, on se fait chier pour rien depuis tout à l'heure, quoi. Mais il me semblait, en fait, que tout à l'heure, ils m'ont dit « Vous avez ramassé deux couteaux, cliquez sur le bouton milieu pour les lancer. » Donc c'est pour ça que je me suis dit « Bah merde, il y a un problème. » Ah, une petite scène d'ascenseur, dis donc, ça fait longtemps. Depuis Resident Evil 4, j'en ai pas vu. Lance, Spielen! T'es mort? Yes, t'es mort. Le nazisme de t'es mort, même. Au. C'est pas la peine de crier comme ça. Ah. Ouf. Ok, j'ai eu du bol. Je prends cher à moitié, là, non? C'est parce que j'ai passé 17 ans dans le coma, peut-être. Je suis pas physiologie, ça, hein, mais... Il y a quoi? Oula, va y avoir un truc planqué, là. Ouh, ça va y avoir du cachage. Il va y avoir du cachage, là. Comme le chanteur africain. Long moi. Non, bah non. Non, en fait, c'est de la merde. Non, c'est bon, c'est juste de la merde. On pouvait descendre autre chose qu'en ascenseur, c'est tout. Bon voyage, en ascenseur. Ok. Là, ici, y a rien. Là, c'est un autre échafaudage. De manière... Ok, bon, bah, on se casse. Garde une arme à feu à la main et essaye Mouse 3. Non, ça donne juste un coup de couteau, mec, c'est juste corps à corps, hein. C'est dans la version allemande que les signes nazis sont cachés. Pas dans la... Est-ce que dans la version australienne aussi, non? Attends, pourquoi je peux le reprendre, l'ascenseur? Complètement con. D'accord. Ok. Non, faut le talent. D'accord, c'est bien ça, faut bien le talent, quoi. Ah, mais moi, j'en ai pas de talent, donc... On fait ce qu'on peut, hein. Ah, oula. J'ai caché. Ich bin cachint. Attends, on va les bosser. On va les bosser en discrétion. Putain, ils ont disparu. Ah non, ils sont à côté. Putain, j'ai eu peur. Je crois que j'étais tombé sur les fameux nazis qui disparaissent. Les disparisis. Attends. Par là, tranquillou. Blip. Blip. Voilà. C'est calme quand même, l'infiltration. Hein. Ouh, il a fait une jolie tâche. Un petit côté de Jackson Pollock dans l'exécution. Mais... Ah. Il faut faire monter la plateforme. Voilà. T'inquiète, je vais te la faire monter ta plateforme, poteau. Où est-ce qu'il est, le super nazi? Il a pas de tête? Ah oui, c'est bon. Bip. Ah. Putain, pourquoi j'ai avancé tout seul? Ok. Bon bah ça c'est bon déjà. On se fera pas emmerder par les renforts. C'est déjà une plutôt bonne nouvelle. Voilà, regarde. Au. Je sais même pas si c'est les renforts juste ou c'est que tout le monde est au courant de ma position en fait. Ça se trouve, ça sert à rien de débuter en premier. Hein. Tiens, montre. D'accord, faut faire 5 stealth skills. Mais je les ai pas déjà fait les 5 stealth skills. Au. Ah non, peut-être pas, remarque. Ah oui, non, ça se trouve, je les ai pas encore fait. Oui, non, d'accord. Ah, c'est marrant, j'avais oublié qu'il y avait tout un système de perks comme ça. Perks Castor. Oh là là. Non mais moi aussi, partez pas. Une croix gammée sur les écrans de PC. Ah, j'ai pas vu. Il y a des écrans de PC en bas. Ah oui, attends, là-bas, il y a des petits PC. On dirait des Apple II. Tu vois? Putain, il y a même pas de croix gammée sur les PC, quoi. C'est super décevant. Sur eux, ouais. Oh les gars, quoi, le branding. Le Marlon branding. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Attends, je viens de me rappeler que oui, en fait, t'as plein de coins où tu peux aller dans Wolfenstein.
Ah si, ok, ça c'est... Il vient littéralement de prendre une énorme plaque de blindage et se l'appliquer autour du corps, à main nue, quand même. Tu sens que le gars, il est déterminé dans son approche. Ah, il y a un truc aussi. Ouais. Ah, encore un. Ouais. Ça, c'est plutôt positif. Et tu vois... Oui, non, oui, d'accord, non. On a déjà résolu l'affaire des couteaux. C'est bon. L'affaire des fameux couteaux de lancer. Oui, sur le côté du serveur, ouais. Sur le côté du serveur, ils ont des croix, quoi. Et des croix gammées, ouais. Ah, bah écoute, ils ont coûté cher, ça a coûté cher au design, alors forcément, les gars, ils les font payer derrière, hein. Moi, je les comprends, les mecs, hein. Nous, c'est pareil, on a un logo, on le fout partout, bah pourquoi pas eux. Où est-ce que je vais, là? Donde esta, Corando? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends, je peux passer par là, là? Attends. Je suis bloqué. Qu'est-ce que... Non, bah non, bah c'est de la merde, en fait. Mais y a rien ici, en plus. À moins que ce soit moi qui suis ridiculement attardé. Non, bah non, non, y'a que dalle. Ça sert à rien ici. Ouais, bah ouais, apparemment, hein. Si, y'a ça, hop, ouais, enfin bon. Pour avoir un petit peu d'overcharge, mais... Ouba. Le marsupi nazi. Je suis où, là? Ah, je suis là, ok. Du coup, ça sert à rien que je vienne là. Où est-ce qu'il faut que je parte? Putain, je suis en train de me paumer tout seul. Oui, je reviens au début, là. Russiane, concentre-toi un petit peu, hein. Ouais, t'es pas concentré là. C'est quoi ça? Ouh, j'ai failli oublier ça. Ok. J'ai passé 10 minutes dans ce côté à essayer de trouver un truc caché, mais rien. D'accord, ok. Ok, donc tu parles d'expérience, quoi. C'est bien, ça me plaît. Ok. Par contre, j'aimerais bien un fusil de chasse. Chasse. Ah merde. Je me suis fait niquer parce qu'en fait, je voulais viser, mais ça m'a sorti les deux flingues d'un coup. Du coup, j'ai tiré une balle un petit peu à la zob. C'est pas grave, ça, ce sont des choses qui arrivent. Pourquoi il est mort, lui? Ah oui, d'accord. T'as même pas vu que tes potes étaient morts, toi. T'as pas entendu tout le putain de gunfight qu'il y a eu. Et toi non plus. Vraiment aucun respect, les gars. Vous êtes vraiment pas concentrés. Ils sont pas concentrés, les nazis, dans ce jeu. Hein. Enfin, qu'ils a dans un grand camp. Pour essayer de se concentrer un petit peu, parce que là... Genre le Club Med. Voilà, impeccable. Allez, on se casse. Benny Benazi. C'est bon, j'ai fini? Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Quoi, vous partez? La route est dangereuse. Ah. Ouais, mais je sais, c'est le cas en général, d'ailleurs. Hein. La route est dangereuse. Ah bah si, fusil à lunettes! Donc il y a bien un sniper dans le jeu. C'est marrant, je m'en souviens pas du tout. Mais tu les as fait les 5 kills stealth. Mais non, mais en fait, je crois que c'est des kills au corps à corps qu'il faut faire. Des kills stealth, mais au corps à corps. Donc, pour le coup, ouais, je les ai pas encore, tu vois. Je vais peut-être essayer de les faire là, non? J'ai fait ce que j'ai pu. Il faut vraiment que j'aille le niquer, l'autre, là, par contre. Je vais essayer d'aller niquer le super nazi, là-bas, là. Merde, c'est pas lui. C'était un au-dessus qu'il fallait que je chope. Donde estas? Il est sur le toit, je crois. Toi, mon toi. Toi, mon tout, mon roi. Il est où? Ah, il est là. Pourquoi ça tire? Mais d'où? Mais où? Ouh, chien. Oh, putain. Ok, je me planque. Ok, c'est fermé. C'est la merde. Je monte. Putain, mais je suis vénère. Pourquoi ils m'ont chopé? C'est quoi? C'est le chien qui m'a senti? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il y a des mecs en face, mais oui, mais c'est bon. Ah, ils ont déclenché une bombe nucléaire, j'ai l'impression. Ok. Ce serait bien si j'avais un genre de fusil qui pouvait tirer de loin, tu vois. Sur lequel on mettrait un genre de lunettes. Ok, attends, je vais rentrer par là. Je vais déjà vider ce qu'il y a là-dedans et puis on verra après. Il y a deux bunkers. Aouh. Attends, aouh. Mais arrête. Attends, je suis en train de passer. Oh putain, Blazkowicz, un peu de rapidité, s'il te plaît, quoi. Ok. Voilà. Aouh. C'est bon. Ouh, eh bien. Quoi? Putain, mais ils font chier tous. Oh la vache, mais lui aussi, il est balèze. Ok, c'est bon. Ta gueule, on comprend pas quand tu parles. Dis donc, ils sont, des fois, ils sont très, très balèzes et des fois extrêmement fragiles. Est-ce que t'as vu les frères nazis, là? Attends. Hop.
Cadeau. Voilà. Ça, c'est impeccable. Les drones, on dirait des couilles volantes. Merci, Rome2. Pour les designs selon Rome2. Ok, ça, c'est bien. Je vais retourner à l'intérieur vite fait. Voir pour être sûr si j'ai rien loupé. Ah bah, tout le monde est mort. Voilà, vous... même lui, il est d'accord. Là, il y avait quelques balles de flingue. Il y aurait pas un petit sniper? Un petit sniper? Une kleine sniper? Une kleine Kargewehr? Non, il y a rien? Sérieux? Bon bah tant pis. D'ailleurs, Lucienne, tu vas acheter Génération 0? Absolument! Absolument pas! Absolument pas, il m'intéresse pas du tout. De ce que j'ai vu de gameplay, il m'intéresse pas du tout. Je sentais déjà que le jeu allait être un peu faiblard au niveau du gameplay, même si l'idée de base de départ était très intéressante. C'est en Suède dans les années 80-90, c'est ça, je crois. Et ouais, non, c'était cool. Mais, ou alors le jeu est suédois, mais ça se passe pas en Suède. Enfin bref, je sais plus. Mais oui, l'idée est cool, mais non. Non, 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 négatif. Nein. Nicht. Niet. Voilà. Ça, c'est bon. J'aurais peut-être dû prendre les mitrailleuses lourdes. Enfin, les mitrailleuses légères, je veux dire. Placées pour économiser mes munitions. Parce qu'apparemment, je vais en chier à ce que l'IDP. Donc, ça, c'est pas ouvrable, ça. Sauf de l'autre côté. Ah, bah si, attends, il y a un truc à faire, là. Ouh, il y a pas un petit passage secret, là? Ouh, je le sens bien, le petit passage secret dans le coin, là. Genre une trappe au sol ou une connerie, non? Attends, souffle de l'autre côté, ça sent l'espèce de parcours en fait, qui mène jusqu'à... Je peux pas rentrer dans les chiottes, comme dans Outlaws? Non, je peux pas. Salut MTE! Le mec, il lit des documents nazis aux chiottes quand même, tu sens qu'ils sont vraiment pas investis, quoi. Je crois qu'il y a une trappe derrière un des bunkers. Alors si, attends, je sais comment ouvrir, mais je dois spoil un peu. Bah, si ça arrive tout seul après dans l'aventure... Il n'y a pas besoin de me le dire, mais s'il faut trouver une petite trappe, il va falloir me le dire. Et là, c'est pas là. Nine. Ça arrive dans 5 minutes normalement. Ah, ça, on peut le péter, ça, non? Ah oui, attends, faut le faire fondre avec un truc. Y'a pas une tourelle une tourelle de laser gewehr ou je sais pas quoi là? C'est une mitrailleuse ça ou quoi? Je sais pas si c'est une mitrailleuse. Non, ça c'est un laser gewehr, ok, c'est bon. On peut l'utiliser, c'est bon. J'ai. Voilà. Ça, c'est bien. Impeccable. Tu vois, j'ai même pas eu besoin de tricher, dis donc. Je m'en suis rendu compte tout seul, j'ai pas eu besoin de votre aide. D'ailleurs, j'ai pas besoin de vous, moi. Je m'en bats les couilles. Ok, ça c'est cool. Et du coup, ça on peut ouvrir la porte de manière interne. Là, ok. Je veux ça. Voilà, ok, partez tous. Non, je déconne. J'ai extrêmement besoin de vous. Votre présence n'est que... gourgandage, finalement. On va autre part. Non, restez. Déconnez pas, les mecs. Je sais pas trop ce que ça tire, ce truc, mais ça me fait rire, en fait. Ça tire une espèce de laser, et c'est vraiment littéralement un fusil laser, quoi. Ah, c'est pas avec ça qu'on peut ouvrir certaines caisses aussi? Oh merde, ça fait tomber mon truc, du coup. Non, attends, j'ai fait tomber mon fusil. Oula, oui. Regarde, oulala. Oui, un robot, oui. Ah, d'accord. Deux robots. Ouh là là. C'est pas bon. Désolé, je me répète, mais ah, j'ai pas vu. Je suis désolé si vous avez des questions depuis tout à l'heure et auxquelles je réponds pas. Je suis un petit peu concentré. Tu conseilles Battletech? Il me semble que tu avais streamé dessus. Alors, Battletech, le problème c'est que quand il est sorti, j'avais du mal à le faire tourner. Maintenant que je peux, je dirais peut-être oui. Mais...
Battletech, j'ai l'impression qu'à la fois il est extrêmement poussé et à la fois il l'est pas assez. Donc je saurais pas vraiment dire, faudrait que j'aille récupérer mon fusil là-bas, mais du coup c'est un peu chiant. Je peux le chelasse ou quoi? Ah, je peux récupérer juste des bouts d'armure sur lui, mais... Go, dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Il est mort? Je sais pas s'il est mort. Oula! Là, il est mort? Ah, il est mort, là. Ouais, il est en train de pisser. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a pissé, il est mort. Je peux récupérer son fusil? Il avait pas un laser gueuvert, lui? Si, non. Ça, c'est un gigantesque... Non, c'est pas ça. Non, bah, je peux peut-être pas, alors. Ok, c'est pas grave. Dans le dos, le point faible. D'accord. J'avais oublié qu'on peut prendre les grenades en main aussi. J'oublie à chaque fois, en fait. À l'ancienne, quoi. Attends, il y a un truc, là. Regarde, on va prendre ça. Il est où? Regarde, regarde, on a même pas besoin, on va même pas avoir besoin de passer derrière, regarde. On va juste lui bourriner sa gueule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une jauge de trucs. Attends, excuse-moi, excuse-moi, voilà. Voilà, ça va rien nous coûter. Bah voilà. Eh, ça se fait tranquille ou pas? Tranquille ou? En plus, je suis au max niveau armure, je suis au max niveau vie, j'ai rien pris. Posé. Il y avait rien, non, c'est juste les mecs qui étaient assis dedans. Oh, bah, raté le temps, c'est fameux pour un polonais. Oula. Elle était chaude celle-là un peu, non, je sais pas, je m'en rends pas compte. Elle est où ma meuf par contre? Elle était dans la. Ah, ah oui, il y a un double, d'accord. Le passage du train, je l'aimais. Ah si, oui, je me souviens, il est cool. Ah oui, il y a une cinématique cool là-dedans. Oui, 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 oui. Oh là là. Putain, la largeur du train, mec. Le truc, il prend deux voies. Oh là, qu'est-ce que tu fais? Évidemment, faut tout péter, bravo! Oh, la physique du café, mon gars, quoi. Ça va, ton ex peut passer dans le wagon. Et encore. Oula. Ah, il est super content d'être nazi depuis des années. Là, lui, il est deb, c'est obligé. Lui, moins déjà, parce qu'il ressemble au mec dans Robocop, mais... Blasco, il connaissait pas les Nespresso dans les années 40. Les petites capsules. Allez, oui, non, c'est tout ce que j'ai envie de faire. Voilà. Ouh là. Je peux retourner dans ma cabine, ma générale. Bon, bah, tant pis. On va aller. Je peux. Bon, y'a le café, il pète un plomb, quoi. Vatels. Je peux passer là? Non, je peux pas. Il est mort, mon petit plateau. Vous avez vu mon plateau? Non, par contre, c'est mon café, donc tu vas te niquer ta race. D'accord, 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 d'accord. Ok, ok, c'est votre café, c'est votre café, c'est bon. Bobby, il s'appelle. Ça veut dire nichon en allemand. T'as une grosse poupie. Il y a des cavaliers. Uber Sturmbahnführer, tu veux me le rappeler celui-là? Tu peux me le dire à l'envers? Zoubi. Zoub, 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 zoubida. Putain, c'est littéralement l'homme trophée, quoi. Booby, ce nom de fuckboy. Il lui manque juste l'undercut, quoi. Vous voulez pas qu'on joue à se coller des cartes sur le front plutôt ou dans un bar? Oui, oui. Je vais trop Blazkowicz, il commence à flipper de ouf. Wenn Sie nach der Waffe greifen sollten, sind Sie tot. D'accord. Noch bevor Sie Ihre Entscheidung bereuen werden.
Ok. Goutte. Goutte. Lass uns anfangen. Petite goutte. T'as beaucoup de chance. Sehen Sie das Foto, das Sie erregt? Qui vous trouble le plus? Je suis désolé, mais je voulais absolument lui en mettre une. Elle est même pas morte, je crois qu'elle est même pas morte. Bah oui, tu peux pas la tuer, sinon t'as plus de deuxième jeu. Oh merde, je sais pas, c'est lui qui me trouble. Regarde-le. N'empêche, c'est super chill comme voyage en train. Regarde, on voit la petite campagne là, en plus il pleut. C'est comfy de ouf en vrai. Je peux avoir un petit peu de sel dans mon café? Je sais pas, qu'est-ce qui vous trouble le plus les mecs là, l'œil ou les dents? Non, elle meurt pas du tout, mais toi oui. J'aime la bouguère. Je sais, les dents. Oui, c'est les dents un peu, c'est les chicots hein, qui mettent mal hein. Allez go. C'est elle là. Arso, deine Chicotte. La joie, la fleur ou le petit papillon? Un papillon, ça se dit Schmetterling en allemand d'ailleurs. Gauche, c'est le papillon qui rend le content? Ah bon, je sais pas, la fleur elle est jolie je trouve. Allez, papillon. Ein Schmetterling. Meinen Sie, dass dieser Mann unreines Blut hat, Bernhard? Ich weiß nicht, Frau Obersturmführer. Comment ça, tu sais pas, enfin, je veux dire, d'assister à ne pas savoir. Schmetterling. Nicht wahr? Diesmal wählen Sie das Bild, das Sie am meisten mit Abscheu erfüllt. Ich hätte sagen sollen, dass es Ihre letzte Wahl ist. Also wählen Sie weiter. Le crâne, c'est le crâne qu'il faut mettre. Je sais pas madame. À la base j'étais juste venu pour un petit Nespresso. Bon bah le crâne alors. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. C'est bon j'ai... Qu'est-ce que tu fais lui? Ta charmante campagne, elle est pas là hein. Compagne veut dire. Ah, téléphone. Les souvenirs de vacances, t'as pris une araignée en souvenir de vacances? T'as vraiment des problèmes. Pourquoi t'as pris la photo d'une bouche de nana en souvenir toi? Ouais, merci Bernard. Bernardo, allez, je me casse, je prends mon café, moi. Ouais, une jolie jeune femme. Elle s'appelle Elmi Goldman. Ah là, je me casse. Sans le cul, je vais te foncer, ensuite je ferai des pièces détachées et je te mettrai une grosse pute à la pote. Ok. La 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 la. Attends, voilà. Alors bébé, tranquille. Ok, bébé, il fait bien son boulot. C'est quoi? Il y a des trucs là. Ça, je prends. Decaf. Ah, Decaf. Ça, c'est les Beatles, c'est ça? C'est les Beatles nazis. Ah, bonjour. Bonjour, Lux. Comment vas-tu? C'est qui? Café. Milk. Pourquoi ils m'ont fait une petite gomme? Ah non, c'est des gâteaux. Ouh. Ça m'a fait peur. Qu'est-ce que tu fous? C'est bon, j'arrive. Oh, tu vas l'attendre ton café ou quoi? Merde. Neue Kalskowskool. Je vais arrêter de lire tout de suite. Et moi, les mots qui dépassent deux lignes, déjà, en général, j'ai pas confiance. Elle est très très cool, cette petite pièce là. Je fais bien. Oui? Liam? Par contre, tu vas le boire ton Liam. Café parce que je me suis cassé les couilles. Hein. Ouais. Ils vont niquer. C'est pour moi? Ouais, tu prends un petit café. Ouais. T'as une grosse nicache. C'est pas là où il y a du cul. Ah. Il y a qu'un lit dans la cabine. Il y a aussi qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Ça vous gêne de le partager. Tu laisses les scènes de cul, bah j'ai pas trop. Ah, j'ai pas trop le choix. En plus, t'as vu, ils ont des draps en béton. Ils ont des draps en super béton allemand. Parfois, des anniversaires.
fois le chaos, la souffrance, la mort. Ça va, Twitch, c'est flou. Merde. Regarde pas Twitch, regarde pas Twitch. Sentir quelque chose d'agréable. Ah bah voilà. C'était juste, mais il y avait pas une plus longue scène. Il me semblait qu'il y avait une scène de cul plus longue, ou alors c'est après. Je sais comment accéder à la prison. Mais Benoît Hamon à la place. Ah mais attends, oula. Je suis à l'hôtel Gleichmuth. Déjà. De la police secrète est connue à Berlin. C'est là que les prisonniers sont. Mais attends, c'est pas dans ce jeu-là où il y a en gros Jimi Hendrix si le monde avait été nazi? Oui, c'est bien dans celui-là, je suis pas fou, ouais. J'ai oublié qu'il y avait un petit hub. Viens vite. Quoi? Je vois pas. Bouge-toi, je vois pas. Allô? Attends, je lis ça. Berlin, 12 octobre, un prisonnier qui tentait de s'échapper d'Einsenwald la semaine dernière s'est littéralement jeté dans la gueule du loup, dévoré vivant par le Panzerhund de garde. Et garde. La personne. Ok, merde. Qu'est-ce qui se passe? Du terreau sur la schmoute. Cet hôtel, il pue de la schmoute. Oh là là, elle est en train de te rembobiner. Il y a du rembobinage dans l'herbe. Dans l'air. N'importe quoi. C'est dans la version où tu sauves le jeune, le Hendrix nazi. Ah bon? Ah! T'as une corbeaute? Oh là là, super Berlin, quoi. Si tu sauves personne, t'as Freddie Mercury sortant d'un camp de recadrement. Sérieux, tu te fous de ma gueule? Et du coup, moi, j'ai sauvé qui? J'ai sauvé Ferguson, moi. Je vais voir qui? J'ai pas de gun? J'ai pas de gun. Mon gars, ça va se faire à la main. Oui, je me fous de ta gueule. Oh merde. Oh merde, le bad, ça aurait été beaucoup trop stylé, mec. Freddie Mercury qui va péter des gueules. Pardon, voilà. C'est toujours l'hôtel Schmoot, là? Je sais pas quoi. La série de meurtres qui terrorise les Berlinois, nanana. Ouais, super. Ça m'intéresse pas trop. Ça, je peux pas prendre le petit. Putain, la vache. Regarde-moi ça, ce stylo. Il doit valoir plus cher que mon appart. Ah, ça, d'assiste fermette. Ah. Ah, le comment ça passe, c'est le Hindenburg, non, c'est pas ça? Le truc qui a cramé, le zeppelin qui a cramé. Oh, the humanity. Je proute dans ta schmoute. Mais dis donc, funéraire, on va se calmer, dis donc. On verra en avril quand tu viendras si tu peux me sproute dans la schmoute, parce que là on se détend, hein. Dans un monde nazi, Freddie Mercury serait malheureusement un tas de cendres. Bah, pas forcément. Ok, attends, qu'est-ce qui se passe? Alors, je crois que ici d'ailleurs, on chope une arme aussi. On chope le laser gueuvert, d'ailleurs, je crois, ici. Ouais, attends, là, il faut avant le choper, je crois. Il faut le choper avant, je veux dire. C'est vraiment pas parler, hein, c'est dingue. Je peux passer par là? Je peux pas. Il est là? C'est lui? Trouver une batterie. Mais inutile sans batterie. Mais inutile sans batterie. Curieux, cet objet. Mais inutile. Plus de batterie, je dois recharger. Ah, c'est bon? C'est bon? Bip. Bip bip. Est-ce que je peux le recharger ici là? Sur ce mur prévu à cet effet? Voilà. Voilà. Et tac, on peut. Y'a un autre ici. Là, j'enlève ça vite. Hop là, c'est bon. C'est bon, y'a plus rien. Est-ce que je peux couper juste un grand truc là? C'est bon? Je peux? Y'a rien en fait. Ok, c'est de la merde. C'est de la merde. En plus, j'ai bientôt plus d'énergie. Attends, faut recharger. Voilà. Je me souviens de ça parce que c'est le premier truc que j'ai fait dans le jeu, c'était faire une teubie comme ça. En plus, c'est bien parce que ça accommode pile en fait la physique humaine. Hop. J'adore ce truc. C'est génial. C'est génial. Ça sert vraiment à rien. Je trouve ça. Hop. Tu vois. Je peux en faire une autre, tu vois. Hop. Hop. On peut la faire plus vite cette fois-ci. Et hop. C'est génial, non? Y'a quoi ici? Y'a que dalle?
En plus, tu peux couper super vite. Non, ok, bite super rapide. Ouais, elle est un peu loupée cette Tubby, mais. Ah, attends, il y a un gros. Oula. Oula, j'ai fait un truc. Ah, oui, quand même. Y'a rien d'autre là? Ça, je peux pas le cramer ça. D'accord, donc ça utilise de l'énergie uniquement quand tu crames du grillage. Faut le noter ça. C'est à noter. Toujours pas de gun? Non, j'ai qu'un couteau, ok. Allez, go. Ok, j'ai. Alors, par où qu'est-ce qu'on va rentrer? Peut-être que ici, justement, je vais pouvoir niquer assez de mecs dans le dos, si je puis dire. Évidemment. Apparemment, il n'y a pas eu d'alarme. Ok, chut. Merde! Oh fuck! Oh fuck! Oh putain! Ça va de mal en pis. Ok. Ils ont pas un gun ici, n'importe quoi, une tronçonneuse, un gant de baseball. Oula! Il y avait un truc marqué très, très étrange. Ok. Avec la technologie du couteau de lancer dans pas longtemps. Je suis en train de louper tous mes. Oula! C'est pas moi qui l'ai buté lui. Ah mais c'est un petit hein. Oh, petit bébé! Voilà, là c'est bon. Là c'est bon, je peux lancer le couteau. Pip! Voilà, oh putain! Le Kobe quoi! Ça c'est bon, je prends. Ça je prends aussi. Et là on est bien, là on est bon. En fait, en jouant au jeu correctement, j'aurais dû l'avoir bien avant, c'est pour ça. C'est pour ça surtout que ça a merdé un petit peu, mais. Je vais me balader un petit peu avant de décrocher parce que. Qu'est-ce qu'il écoute ce con? Voilà, impeccable. Il est mort de sa belle mort. Fragment de code, pourquoi on pourrait sortir par là? Je comprends pas. Oula! Non, le con! Bah oui, non, mais il manque plein de trucs. Attends, mais c'est pas ça que je voulais faire. Rentre. Bon, tant pis. Tant pis. C'était Hitler. Ah bah non, Hitler, il est pas dans celui-là. J'en ai marre. Ich bin marum. Comment? Bah. Ah oui, d'accord, c'est bon. Les scripts comme on les aime. Ah là, pour le coup, ouais, celui-là, il est bien rigide. Hein. Il est bardo. Ouais, rigide bardo. Je l'aime bien, celle-là. Je l'ai jamais faite, cette blague encore, mais je l'aime beaucoup, moi. C'est une de mes nouvelles préférées. Avec Catherine de Medikit. Ah oui, on peut y aller. Hans? Évidemment, il s'appelle Hans. Bravo. Tu l'as déjà faite, c'est vrai? Brigitte Bardot? Non, j'étais dit ça va Brigitte. Parce que ça va Brigitte Bardet. Pierre. Béton sur des kilomètres. Ouais, c'est moche Berlin. Oula. Est-ce qu'il en reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé? Ouais, la choucroute. C'est bon la choucroute. Un ennemi redoutable. Il y a aussi Brigitte Bardot, ok? Mais Brigitte Bardot, je pense l'avoir jamais faite, mais Brigitte Bardet, je l'ai déjà faite par contre. Mais Brigitte Bardot, je crois pas. Hein. Les gonzesses, ça vaut la peine d'être sauvé. Ouais, mais bon. Il va falloir se battre. Les teutones. Je vous fais une promesse. Faut les soutenir derrière, ça coûte cher en saucisse. Hein. Si c'est ici qu'ils vous retiennent, je vous trouverai. Et je vous tuerai. Ah non, merde. Je me suis couré de film. Ok, allez, on va chlasser du nazi en boucle. Ah, sur le toit, d'accord, très bien. D'accord, Jean-Michel Script. Je vais aller sur le toit, alors, si c'est ça que tu veux de moi. Non, je me tape pas une Allemande toute des sodomaso. Bah, sodomaso, peut-être pas, mais en tout cas, elles demanderont de leur pisser sur la tête, ça, c'est évident. Hein. La façon casuelle où on peut en parler, tu sais. Ah ouais, elles vont te demander de faire pipi sur la tête, moi, bah, je arrive. C'est normal. Là-bas, c'est un sport national de pisser sur des trucs. Oula. Oula. Ok. Viens, on va s'infiltrer dans Wolfenstein, ça va être marrant.
Franchement, ça va. Et c'est... Wolfenstein, c'est pas le pire jeu pour s'infiltrer quand même. Hip. Voilà. Tranquillou. Qu'est-ce que tu fais, toi? Ils glandent, le mec, ils glandent. T'avais pas un gun, évidemment. Ils ont tous des matraques. Rend pas agréable. Bip, bip, bip. D'accord. Maintenez souriant pour utiliser... Ah oui, non, attends. Et c'est quoi le découpeur laser? 9, 8, 7, 8. C'est 7, d'accord. Et non, j'ai bien fait de le recharger avant de partir parce qu'on aurait été niqué. Hein. En plus, j'ai même pas amené mon allume-cigare. Je trouve quand même ça chiant. Ça va. Franchement, dans Wolfenstein, ça me dérange pas trop. C'est jamais trop des longues scènes en plus. Et la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, tu peux te permettre de te faire choper. Ça change pas grand chose. Petite canette. Que fait un canard quand il a soif? Il se tape une canette. Vous avez pas de gun? Oh, attends, il y a des croquettes, j'aime bien ça. Bip! Dans le cul. Ah, je croyais qu'il allait lui foutre littéralement le couteau dans le cul, mais. Ah bah l'état policier. Ah bah surtout avec l'article 13 là. Politique. Politique, politique. À mon avis, faut pas trop que je reste là, moi. On va faire un petit trou ici. Merde. Ok. Merde. Oh, fuck. Attends, chut. À tous les prisonniers, n'oubliez pas vos obligations à l'égard du système pénal. C'est ça, le mec, dire ça à des tôlards, quoi. Waouh, yeah, ça pique. Ok. Oh merde. Je suis en train de taguer, putain. Qu'est-ce que... Oh merde, il a vu. Non, il a pas vu son pote mort. Non, il y a personne. Fuck. Fuck. Ok. Passe par là. Ok. Aril von Talisman. Je sais pas s'il y en a d'autres en fait autour. Rappelez-vous que la procession avec produits de contrebande entraînera la prolongation de votre peine. Oh bah merde. La double peine. Bip. Oh, l'autre il sifflait avec un couteau dans la tête, t'as entendu? Il a continué à faire... Le mec il recule devant rien, quoi. Ok. Et les meufs, c'est super séduceur. Il y a une caissière purement démente de type Belle Rousse, j'en peux plus, je vais aux courses tous les jours. Ça me coûte 70 balles par semaine. Et ben, bah, invite-la. Tu lui dis, mademoiselle. Déjà, ça part trop bien, là. Mademoiselle, vous êtes aussi fraîche que votre rayon fruits et légumes. Avec vous, j'aimerais faire des salades de fruits. Oui, tu peux lui demander si elle cherche un mec mortel aussi, ça c'est possible. Avec un peu de chance. Après, si elle cherche un mec immortel, ça va être vraiment beaucoup plus compliqué, quoi. Jeune demoiselle, cherchez un mec immortel. Un mec qui pourra me donner le don de l'immortalité. Si fraîche que votre rayon fruits et légumes, bah quoi? Non, ça passe, non? Madame, avec vous, je rendrai la monnaie en permanence. Je n'hésiterai pas à présenter ma carte à la caisse. Bien entendu. Oui, j'ai la carte de... Avec... Oh, c'est la merde. Avec vous, je n'hésiterai pas à choper la carte de fidélité. Qu'est-ce que... Ok. Ouh, merde. Tant pis. Tant ta gueule. Voilà. Ah, y'a quoi ici? Y'a rien. Ouais. Tiens. Celle-là, elle est cadeau. Chérie, une caissière, on me dit vous êtes aussi fraîche que votre rayon fruits et légumes, je suis déjà conquise. Ah, il faut pas grand chose. Mademoiselle, laissez-moi profiter de votre minou aussi alléchant que vos promos. Oh, c'est dégueulasse. Votre minou aussi alléchant que les promos, ça tu peux pas assumer, c'est pas possible. Ah non, je crois que c'était lui qui bavait, mais en fait, c'est de la flotte.
Y a quoi ici là? Y a rien. Ah, je suis tombé, d'accord. Je vois que dalle en fait, donc c'est pour ça que je suis en plein doute. Ok. Jeune demoiselle recherche un mec immortel. Un mec de type Nosferatu ou ventru. Tiens, d'ailleurs, je sais pas si on va vous streamer Bloodline 2 en parlant de vampire. J'ai un peu lâché le premier, j'avoue. Je sais pas trop pourquoi. Je pense que c'était pas juste pas trop le mood. Mais le Mahmoud. Mais... Mais il y a peut-être moyen quand même. Il y a peut-être moyen de vous faire le 2, mais j'aimerais bien quand même vous montrer la suite du 1. Ce serait con de passer à côté. Qu'est-ce que... Ah bah oui, d'accord. Non, je suis con. Non, mais c'est rien. Non, mais me gueulez pas dessus, parce que je sais déjà que je suis abruti, donc... Pip. Pff. Ah oui, c'est un script, on s'en fout, ça fait pas peur les scripts. Mademoiselle, j'espère que je sais pas tirer chez la concurrence. Tu vois ta bite? Je vois pas ta bite. Quoi? On voit les couilles ou quoi? Ouais, si on voit les couilles. Ah, y'a rien. Ce couteau ne marche pas, putain, j'en ai marre de ce couteau à la con, je me fais tout le temps niquer. Ah, ça c'est aussi une bonne façon de pas avoir à faire tous les miroirs du jeu. Ils sont tous en construction. Ok. Là, y'a rien. En fait, le seul... Quoi? Mais pourquoi? Je lui ai juste pris des croquettes. Et c'est désormais un chauffage. Ok. Très bien. Ouais, le seul truc qui est chiant dans ces phases d'infiltration, c'est qu'ils te filent pas des flingues, en fait. Donc, tu peux pas bourriner, là. J'avoue, c'est un petit peu frustrant. En Wolfenstein, tu t'attends quand même à pouvoir bourriner à un niveau assez libre. Mais là, c'est vrai que c'est un peu gênant. C'est pas trop grave. Ça me dérange pas trop. Je trouve pas ça désagréable dans le jeu. Ah, lui, par contre, il va falloir le ken vite. Ouais, enfin, c'est les nazis quand même, hein. Les mecs, ils ont niqué le monde entier, alors... Le monde entier, alors je pense qu'ils ont un peu le droit, un peu de répit, tu penses pas, Blaskowitz? Est-ce que c'est... Non, ça vaut pas le coup. Ich nicht wollte elle coupen. Je sais vraiment pas parler allemand, c'est dingue. Un chien phage, ok, je sors. Tu peux, Lyolda, tu peux te barrer ta grosse race, même si t'as envie, hein. C'est libre. Là, je suis passé ou pas? Bah, je suis pas passé, mais le problème c'est que je sais jamais si le mec il va se réveiller ou pas. Et j'aurais bien voulu choper un couteau de lancer avant de le ken. Te réveille pas. Don't wake up. Wake me up inside. C'est bon. Merde. J'en ai marre de ce couteau. Il marche vraiment pas. Il est con ou quoi? Bah là c'est bon. Pourquoi mon couteau il marche pas? Je comprends pas. Et j'appuie sur le bouton corps à corps, mais ça fait pas l'exécution. Ah, Dine Klein. 7 x 9 égale 72. 7 plus 2 égale 9. Quoi? De quoi? En plus, il est complètement niqué. Foiré votre notation. Parce que là, en fait, t'as fait 8 x 9. D'accord, 72. Mais là, 72, en fait, c'est 72 x 9. 72 x 9, ça fait pas. C'est sûrement un code secret nazi. C'est quoi? Manhattan, nouveau habitable dans 5 ans. Ah oui, ils ont nuke Manhattan. Oui, c'est vrai que dans le 2, on voit ça. D'accord, mais... ouais, 72. D'accord, 9. 72, 9. C'est pas une référence sombre, un truc à la con. Bah, là, j'ai rien, mais... Ven... Ouais, j'arrive pas à lire. Ok, allez, on se casse. J'ai la clé. Donc, on se casse. C'est pas là. C'est là-bas, ouais. Ok. Hop là. Déjà, il y a double distribution, du coup, 72 x 7 plus 72 x 2. Non, parce que tu résous déjà la... Non, c'est pas un fois, c'est un plus. Donc tu résous déjà ce qu'il y a dans la parenthèse. Et là, dans la parenthèse, c'était 7 plus 2, donc 7 plus 2, 9, tu fais 72 x 9. Il n'y a pas de double distribution, vu que c'est pas multiplié. Pauvre abruti. Donc déjà, t'arrêtes de raconter de la merde. Sale enculé. Mais il prend ça beaucoup trop au sérieux, tu sais. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Ça, j'aime pas. On va passer par ici, plutôt. Voilà. Je croyais que c'était un énorme chien, mais c'est juste une grosse machine, on est tranquille. Et puis double distribution. Regardez-moi, je bande sur ma caissière. Il y a que ta sœur qui fait les doubles distributions, Wapfal. Hein. Y a personne ou quoi? J'ai vu des nazis tout à l'heure, j'ai rêvé ou quoi? Qu'est-ce que c'est ces conneries là?
Qu'est-ce que c'est ces conneries là? Majeur, mineur, c'est pour les dégénérer. Il y a qu'un seul mot. C'est juste. Juste, juste, juste. Mineur. Je vais me mettre à dégommer sur la table ronde. Bon, j'ai pas d'armes et on dirait un boss fight et je suis pas fan de toutes mes chances là. Oh, du charbon. Dine carbonate. Je sais pas, il y a plein de mots que j'ai... Quoi? À qui tu parles? C'est à moi que tu parles? Talking to me? Mais vous êtes des malades! Qu'est-ce qu'il... En fait, c'est juste une blague sur le fait que les nazis ne croient pas au nombre à deux chiffres. De quoi? Ah. Mais qu'est-ce que t'es qui, toi? C'est de la merde! J'ai pas compris ce qui s'est passé. Waouh. Y'en a un autre? Ah, y'en a un autre là-bas. Petit carponat, t'es soute! Tu viens? Je t'attends. Tu crois que je peux le cramer? Bah, tu viens pas? Tu viens pas? Bah, t'es timide? Qu'est-ce que... Non, j'ose pas parce qu'après il va me taper. Je vais faire semblant de pas le voir. Bah alors? Il est con quoi? Attends. Hans, viens voir, Hans. Hans, viens? Ah bah je veux bien venir. Oh d'accord. Hans se téléporte. Je... ils ont plutôt bien bûché niveau technologie, mine de rien. Oh la vache. Je me suis dit, putain, mon chalumeau, ça lui a fait un get over here. Oh putain. On va regarder le modèle, hein. Oh la vache. Ça m'a mis pas bien. Ça m'a mis ça m'a cheb mamie un peu. Cours, déconne pas, il est juste à côté. Rien. Ouvre. Déconne pas, Blasco. Déconne pas, Bilou. Biloute. Hop. On se casse. Ouah, peut-être pas tout de suite. Il y a des mecs un peu partout là. Oui. T'as essayé le café au citron? Oh, ils sont mignons. Ah oui, il y a une mission, enfin pas une mission secondaire, mais des petites informations secondaires que tu chopes avec ça. En gros, le super béton utilisé pour la construction de New Berlin, de Neu Berlin, quand il pourrit, il infecte les gens. C'est marrant, j'aime bien le truc. Mais ils sont nazis, russiennes. T'as bien vu qu'ils écoutaient leur belle-mère? Ah oui, c'est pour ça, ils font n'importe quoi. Attends, je pense que je vais plutôt aller en bas et les taper en... Mais Blazkowicz, il est arrivé, ils m'ont tapé. Oui, ça, le béton, le super béton file un super cancer. Ha ha, tu m'as regardé, tu es ton pote. C'est vraiment bidon. Je crois qu'on peut parer, mais en fait, j'oublie à chaque fois de parer. Y'a rien en haut là? Attends, parce qu'il y a tout un escalier, il y a trois quarts d'un niveau. On va me dire qu'il y a que dalle. Ouh le con, il y a. Donc il y avait des trucs, hein. Donc il y avait bien des trucs, quoi. C'était pas évident, c'est tout. Vos gueules. Je crois que t'as pris. Voilà, vos gueules tous, Master Shooter, vos gueules. Ouais, vos gueules. Qui c'est qui crie? Voilà! Et puis toi, pareil, ça va? David, je fous le bloop! Je suis pas là! Ich bin nicht hier! Tu fais quoi? Ha! Voilà! Ça, c'est du boulot! Non, c'est pas du boulot! Je suis dans l'élevage, moi, je suis pas parfumeur! Ok. Bon, par contre, j'aimerais bien avoir 2-3 armes parce que là, j'avoue que le couteau. C'est le général Wilhelm Strasse. Tout le monde s'appelle. Ouais, d'accord.
Il s'appelle William Street, quoi. Guillaume Rue en français. T'es vraiment le plus fort du monde. Merci, Momo. Tu ne peux pas mute le chat complet. Est-ce que t'as vu que j'ai essayé de sortir du mauvais côté de l'ascenseur? Ça m'arrive tout le temps. Voilà, les deux. C'est l'heure de faire sortir les monstres de leur cage. J'ai rien compris. Tu peux parler encore plus grave, s'il te plaît, parce qu'on t'entend presque. Voilà. Toc, toc, toc. C'est le con qui m'a ouvert. Ah, c'est toi? Attends, on dirait Hitler. Oh non, il est fan d'Hitler, regarde. Ah non. Non, c'est moi qui suis con. Je crois qu'il avait une petite moustache, mais non. J'ai plus Schtroumpf qui pique, je fais comment? Ouh là là, Momo, je suis désolé pour toi. Très triste. Allez, on va relâcher tout le monde. C'est marrant, ils sont tous arrêtés comme dans le mec dans, comme le mec dans Taxi 3. Tu sais, le belge. Ou dans Taxi 4, je sais plus. Voilà. Là, on est bon. Je vais juste recharger mon iPod. Voilà, impeccable. Qu'est-ce que tu fais? Voilà, impeccable. Cinématoche. Il faisait du beatbox. Et voilà que t'arrives de nulle part pour massacrer les nazis à tour de bras, mon salopard. Pourquoi il parle comme un vieillard? Blaskowitz, hein? Bah, je suis en coma. Et toi? Connard. Ah, rien. J'ai seulement tué du nazi. On va regarder. J'ai seulement tué du nazi. Nous zigouillons tous les boches qui se mettront sur notre chemin. Ok, le plan, je le comprends pour l'instant. Gaffe à la porte. Voilà, par exemple, comme ça, faut faire attention, tu vois. Ouais, on fait comment? Waouh, slow-mo de la table. Vous pouvez pas juste... Le mec, il a même pas bougé, quoi. Vous pouvez pas juste coincer la table avec la porte, enfin, la porte avec la table. Prenez les gardes par surprise. Surprise! Surprise! Tu peux ouvrir cette trappe? Laquelle? Ah oui, oui, je peux. Ouais. Hop! Attends, je galère un peu. Voilà! Ouh, la petite animation custom! Je sais comment Blasco, il a vraiment un problème mental. Ah oui, là, à ce niveau-là, oui, il a vraiment un gros, gros problème mental, même. Et là, les yeux couleur mental, oh! Allez, on va drop down, on va les prendre par surprise. Et on va les hacher, mon gars. Bonsoir. Ouais, ouais. Ouh, ouh, ouh. Voilà. Il me donne quoi en plus? Oh, il me donne le fusil à pompe automatique. Oh, le cadeau. Oh, le cadeau. Bonsoir. Bon, bah voilà. Regarde, ça se fait tranquille, non? Et en plus, j'ai récupéré des armes. Travail, évidemment, il n'y a que Ferguson. Il n'y a que Ferguson qui s'en est sorti, quoi, évidemment. On fait quoi? Ok, bah, je te suis. Parce que la dernière fois, je me suis fait niquer par une tourelle et je n'ai pas envie de recommencer l'expérience. Mais bah, ça va, je suis là, je t'emmerde, dis donc. Grouille-toi, qui dit l'autre enculé, là. Toi que j'ai attendu que t'étais en tôle, hein. Qu'il n'y a pas de PD. On doit appuyer sur ces boutons en même temps. Ok, 3. Appuie sur celui-là, prêt? Oui. 3, 2, 1, maintenant. Oui. 3, 2, 1, maintenant. 3, 2, maintenant. Oh, mais c'est bidon. Attends, j'ai appuyé 8 ans plus tard. Hop. First. Mais non, mais c'est bon, je passais. Hop, ok, allez, go. Ça marche pas. Ça marche pas. Voilà, ça c'est bien mieux. Ah, waouh, 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 waouh. Who is shooting at me? Ah, lui là-bas. Voilà, regarde-moi ça. Yes. C'est marrant parce qu'en fait, les tenues des nazis, on dirait un petit peu des power suits de Fallout. Je sais pas pourquoi c'est marrant, mais... Attends, je vais prendre le fusil de chasse. Ah non. Oh. Ouais. Connard, il m'a tiré dessus.
Alors déjà, il y a un nazi qui a disparu, et en plus, l'autre con, il m'a foutu des balles dans l'épaule. J'ai rien compris. J'ai rien compris ce qui s'est passé. Battez-vous comme des hommes. Bip. Ah oui, d'accord, c'est en rafale, je déteste les rafales. Tu veux dire que Fallout se passe dans l'univers de Wolfenstein? Ça pourrait, hein. Franchement, ça pourrait, hein, clairement. Et bah oui, mais j'étais là depuis tout à l'heure, connard. Ok, d'accord, en fait, on fallait remonter par là, d'accord, je vois. Oula. Ah, bah, il est mort tout seul. Et puis couper le courant, je sais pas, je vais le laisser un peu réfléchir, parce que j'aime bien ce qui se passe, là. Les nazis qui font des insultes oppressives. Ouais, mais c'est con, attends. J'espère qu'il est mort, au moins. Il est mort? Ouais, bah oui. Faut qu'on foute le camp de concentration. Par contre, j'ai un pote qui m'attend, là. De forme quadripède. Et de forme blindée. Il va arriver devant, c'est ça? Ferguson, t'es où? Ferguson. Mais il est où, ce con? Il m'attend? Qu'est-ce qu'il fait? Il est où? Ah, t'es là. Vas-y, ouvre, hein. Ouais, enfin, si tu pouvais pas... Ta gueule! Ok. Voilà. Eh ben regarde, ça se découpe tranquillement, le nazi, mine de rien. Hein. C'est parce qu'ils sont faits principalement en beurre, il paraît. Je l'ai entendu dans un... Je l'ai entendu dans Hitler Apocalypse sur RMC. 9h? Il est quelle heure? Il est 22h44, mais c'est un peu tard. Attends. Est-ce qu'il a reti... J'ai l'impression qu'il a retiré ses manches. Attends. Attends, bougez pas, j'arrive. Je vais vous niquer. Est-ce qu'il a retiré ses manches pour être plus badass? Ah non. Non, c'est moi qui suis con. Ok. T'as vu, ils ont réparé les caisses que j'ai pétées tout à l'heure, là. Ah ouh. Je crois qu'il s'est lancé une grenade sur lui-même tout seul. Par contre. Je veux que ce soit clair pour tout le monde. On peut pas l'ouvrir, ça? J'ai l'impression qu'on peut l'ouvrir. Il me semblait... Non? Ah, c'est peut-être pas ça. J'ai pas la bonne arme, j'ai pas la bonne arme. Ok. Ça, on est bon. Ah. Pourquoi il tire pas sur mon pote, par contre? Je veux savoir pourquoi tu tires pas sur mon pote. C'est quoi ce racisme de bas étage, là? File-moi ça. Voilà, c'est bon. Voilà, ok. Comment il est mort? Comment il est mort, ce petit... Oh, il est mort, les quatre fers en l'air, le petit pipe, regarde. C'est sa teubie, ça? Ok, attends. D'accord. C'est quoi? Ah, il a un fusil de chasse, c'est ça? Ouais, t'as mal choisi ton coin, mec, je vois juste ta tête. Voilà. Et ouais, c'est ça. Oh, la vache. Oh, ils sont cool, eux aussi. Je pense qu'il y a un artbook ouais, sur Wolfenstein, je sais pas si ça peut se trouver. Quelqu'un peut aller voir sur Amazon s'il y en a. Sur le premier Wolfenstein, pas le deuxième, hein. J'aime moins la direction artistique du deuxième. Mais sur le premier, je pense que ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Ok. Ça, c'est la merde, ils font chier tout, ça repop là. Pas possible, et ils se reproduisent au fur et à mesure qu'on joue ou quoi? Ah bah, si tu fous toi. Bip. Bip bip. Ah oui, d'accord, je vois le principe. Bouge pas. Voilà. Oh, j'adore. 40€ l'artbook. Ah oui, quand même. Bah écoute, quand j'aurai de l'argent un jour, on verra. C'est quoi ce bruit? Je suis fou. Ah d'accord, ok. Même le lore de Wolfenstein est cool. Dans un document que tu trouves, ça explique le débarquement de Normandie qui a été un échec pour les alliés. 10 000 morts pour 18 nazis tués. Oh la vache. Ah oui, quand même. Pour le coup, c'est un échec. Ouh, un échec, ouais. Ça me rappelle, tu sais, le truc, le pont qu'avait gardé 8 soldats français là contre 10 millions de soldats italiens. Là. Je me souviens jamais des nombres. Non, c'était 1500 ou un truc comme ça, non? Ok, attends, on va voilà, prendre un peu ça. Voilà, ça c'est ça que je cherchais là. Yes. Est-ce que mon pote est en train d'être mort? Qu'est-ce qu'il fait? Oh bah écoute, ça me va aussi, c'est pas grave. Allez go. Ils sont juste morts de vieillesse.
Oui, c'est ça, en fait, les 18 morts, c'était à Berlin qu'ils sont morts, tu vois, mais ils sont morts juste de vieillesse, les gars. Ou tombés dans les escaliers, ou des conneries. Les escaliers en super béton, ça pique. Voilà, ça c'est bien. On peut même recharger notre petit zap-zap. Voilà. Hop, voilà. J'aimerais bien qu'on arrive au moins au hub, et je pense que je couperai le stream là. Je suis désolé, mais je suis pas trop en forme ce soir. Ce sera pas un stream très très long. Ce sera pas un stream très très long. Mais au moins, voilà, j'ai commencé et je pourrais continuer à le streamer plus tard. Oh, le con! À le streamer plus tard, le jeu. Je fais n'importe quoi. Ça va niquer ma caisse. Ouh là 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 là. C'est bon ? Ouais, c'est bon. J'ai du mal à regarder le stream, ça rebondit dans tous les sens, mais il n'y a pas de momentum. Qu'est-ce à dire ? Moi, j'ai pas de momentum, moi. T'es en train de me dire... Ah, mais je viens de le démembrer. Tu es en train de me dire que moi, j'ai pas de momentum. Vous voulez... Je bouge la visée trop vite, c'est ça que t'es en train de dire ? C'est désagréable à mater parce que je vais trop vite ? Le problème, c'est que je suis un peu formaté, hein. Donc, pour viser plus lentement, faudrait que je m'appelle Yadar, quoi. Heureusement qu'on peut cancel... Ouh, la vache, le casque en or. Heureusement qu'on peut cancel le rechargement d'une arme en tirant, parce que, putain... Ok. La DAC. Car il y a plein de munitions partout, on est en train de se refaire entièrement. Je sais pas, mec, ça me donne le même effet que jouer à la DS en bagnole. Bah merde, ça le fait qu'à lui, et c'est pas un problème venant du stream quand même. C'est peut-être parce que c'est en 30 FPS et que tu joues pas aussi. Hein. Tu sais, moi c'est pareil, quand je vois quelqu'un jouer un FPS qui va un peu trop vite, j'ai une espèce de petit début de mal de merde. Hein. Je suis d'accord, par contre je comprends l'éléphant. L'éléphant ? Je crois que je suis en train d'avoir un AVC. Je comprends l'analogie, je veux dire. L'éléphant, quoi. Quoi ? Est-ce que je vais mourir ? Je pense que je vais mourir. Oui, il y a... Ouh, des risques de décès. 4 PV. L'éléphant, ça va ? Non, bien sûr que non, ça va pas. Je suis au bord d'un AVC, tu crois que ça va ? Je comprends le fauteuil. Le siège ! Il y a quoi ici ? Je crois que c'était un petit nain de jardin, ça. Pip ! Merde, mon couteau. Merde, il est où ? Ok, c'est bon. Oh, le con. Ok. Je peux arriver derrière lui, tu penses, là, ou quoi ? Ah oui, c'est lui, là. Non ? Oula. Ok, attends. On va finir de visiter un petit peu. Bah écoute, je suis désolé. Il m'a fait peur. Je suis désolé Arcana, hein, mais je vais pas pouvoir faire grand chose pour toi. Pour ton mal de stream, on va appeler ça le mal de stream, hein. mais écoute, si t'as envie d'écouter ma voix et de faire autre chose à côté, tu peux. Mais je sais, j'avoue que je sais pas trop ce que je peux faire pour toi. Voilà, ça s'est fait. Ah, Nani, quoi, tu vas chercher une bagnole, tu vas trouver ça où, toi? Attends. Voilà. Il est pas mort, je me suis gouré. Voilà. Ça, ils sont résistants, c'est con de nazi, qu'est-ce que c'est que ce délire? Attends. Bip, 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 bip. Voilà. Par contre, il me faut des. T'as une belle voix en plus. Oh, trop mimi. Il dit que j'ai une belle voix. T'es un très bon menteur. J'ai énormément de mal avec ma voix, il m'a fallu tellement des mois et des années et des années de review de stream, de chansons, etc. pour que j'arrive à encaisser ma voix. Ça a été beaucoup de boulot, aïe aïe aïe, ok. Attends, mais il y a des trucs là-bas à buter, non? Si je pouvais t'ouvrir une petite tourelle, attends, tu sais quoi, regarde, on va s'aider un petit peu, regarde. Merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave, ça marche aussi. Voilà. Pendant que la jolie ligne de basse est en train de se jouer, y aurait pas une arme... Oh, il est mort lui, ok. Il me faudrait une tourelle en fait, j'aimerais bien niquer les deux autres cons là-bas, regarde les tic et tac là. Ouah. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mec, c'était quoi? T'as juste à te barrer, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe?
Je me suis fait pulvériser, quoi. Ok. Bon, allez, on continue, c'est pas grave. C'est pas grave. Ich bin nicht graven. Graven. Aïe, aïe, aïe. Il est où? Oh! Je déteste les klebs dans les jeux vidéo. Ils sont trop rapides, ils te chopent à la gorge, ça me fait peur. Grenade. J'ai loupé. Grenade. Grenade. Ah, ferme ta grosse gueule. Grenade. Ça, on va pas s'emmerder, on va juste les purger. Qui c'est l'autre ici que j'ai loupé ça? Voilà, impeccable. Ah, il y a B44 qui a commencé son playthrough de... Enfin, son stream de Crusader Kings 2, j'ai l'impression. Ou alors qu'il a craché, je sais pas, mais Steam m'a redit qu'il était en train d'y jouer. Moi, j'aime pas l'eau. Je t'avais déjà dit, je crois. Moi, j'aime pas Momo. Oh, bah les gars. Oh, ça, c'est fort méchant. Non, l'eau me dérange pas trop. L'eau me dérange pas trop dans les jeux vidéo, j'avoue, moi. Moi, à part les araignées, honnêtement, et encore IRL, y a pas grand-chose qui me fait trop peur. Si, des fois, sauf quand je vais pisser et que c'est encore la nuit et que du coup, il faut aller vite fait sous les draps. Parce que sinon, le monstre qui est derrière toi, il peut t'attraper. Ça, j'avoue, ça fait peur. Quoi? Je déteste. Je déteste. Il a mangé. Mais si, tu sais, quand tu vas pisser la nuit et que du coup, tous les couloirs, ils sont éteints. Mais et que tu sais pertinemment qu'il y a un truc qui te court après, du coup faut aller vite sous les draps parce que sous les draps il peut pas te choper. Et bien sûr que si, mais les gars vous êtes pas renseignés hein. Enfin attention, va vous arriver des bricoles les gars. Vas-y rentre-toi. Range, je t'attends poteau mon gars là. Poteau mon gars. Je vois tes flingues. Oula wow. Ah merde, y'a des mecs là. Oh putain. Ok, c'est moi, il est mort. Y'a pas de couloir chez toi, mais si un peu. Il y a théoriquement des couloirs, il y a que des couloirs théoriques chez moi. Tu peux niquer ta race, voilà, merci. Est-ce que tu peux... Voilà, merci beaucoup. Elle, pareil. On va essayer de niquer toutes les tourelles, on sait jamais. Voilà, ça c'est fait. Et elle aussi, on sait pas pourquoi, mais on sait jamais. Voilà, là on est tranquillou. Le pire, c'est celui sous le lit qui fait que t'évites de marcher dans l'espace de 1 mètre autour du lit. Oui, c'est vrai que Pouns, quand elle va au lit, en fait, elle marche sur le lit avant de s'allonger. C'est très étrange, mais ça se fait. Je peux conduire? Oh oui, j'avais oublié. Putain, la conduite, elle est mieux que dans Watch Dogs. Oh, le bordel. On est mort? Ah non, elle est là, c'est bon. J'ai dormi avec une veilleuse jusqu'à 10 ans. Oh, y'a du dos là, y'a du dos là. Je vous le dis, le seul monstre ici c'est Wham. Ah, faut couper la grille, d'accord. Attends, je galère. Mais voilà. C'est bon. Ah, là on est bien, on est à l'abri. Un bon niveau dans les égouts comme on les aime. Qu'est-ce que ça fait? Mais qui dit, t'es un connard. Bon, on passera pas par là. Mais si, je peux taiser un truc, non? Quoi? Ah. Bonjour madame. Je croyais pas que tu t'en sortirais. Beaucoup de chance, beaucoup de chance. Moi, j'ai pas de superstition, à part quand je me fais un verre d'eau, je rince tout le temps tous les verres que je prends. Mais beaucoup trop, en fait. Genre, je les rince 3 ou 4 fois, tu vois. Ça sert à rien du tout, mais bon. Par contre, moi, je dors avec mon couteau de combat sous l'oreiller et un marteau sous la tête. Je fais. Oh, le mec a tellement de problèmes, quoi. On peut y aller, par contre? Ils ont des guns qu'on n'a pas encore vus en jeu. Ah bah si, oui, c'est mitrailleuse, ça. Est-ce qu'on pourrait tracer, par contre? Ferguson. C'est marrant, parce qu'ils vivent dans le futur, mais ils ont toujours des Lada. Ah non, mais j'ai aucune arme dans le lit, je vais crever sinon. Ouh. Ils ont des espions dans toute la ville pour nous surveiller. Attends, si je dors avec une arme, je vais me tuer, mais franchement, je me donne 20 minutes. Hein. Par
contre, j'ai des armes autour, ouais, mais pas dans le lit, vous êtes fous, quoi, dans l'oreiller en plus, t'imagines ? Ah, je vais me jeter sur mon lit, la tête la première ! L'oreiller directement entre les yeux, quoi. Enfin, je veux dire, le poignard entre les yeux. Voilà, je mets un couteau dans mon lit, je me plante dans mon sommeil 100%, voilà, pareil, Momo ! Complètement pareil, en plus, je bouge tout le temps quand je dors, laisse tomber, je suis une machine à laver, alors forcément, je vais me tailler toutes les veines. Vous êtes en position ? Qu'est-ce qu'ils font ? Allez, foncez, foncez ! Ah oui. Moi, dans mon pieu, je bouge tellement pas. Ah, mais moi, mais si, mais laisse tomber. Vraiment, je suis, comme on dit, le diable de Tasmanie, quoi. Reste dans le brouillard, personne ne nous voit. Maintenant, on passe à la seconde étape. Le grand plongeon. N'hésitez pas, lancez-vous. N'hésitez pas, ouais. N'hésitez pas à plonger le 45 mètres. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas avaler d'eau quand vous respirez. Ne réfléchissez pas. Sautez. Ok. Oui ou. Ah d'accord, bah demain alors. Oui ou. Voilà. On peut pas sortir pour tous les buter. Attends, je veux monter là moi. Attends. Ouh là là. Non, on peut peut-être pas. Ok, on peut pas. C'est dommage. Tant pis. Evolution. Durchwissenschaft und Krieg. Je sais pas ce que ça veut dire. L'évolution amène la guerre. Allez, go. Je peux pas sortir un gun, là. Je fais 20 rotations de 180 degrés parce que je trouve jamais la position idéale dès le début. Oui, en plus, tu sais, quand tu bouges un petit peu, l'oreiller, il est frais, ça fait du bien. Je peux tailler sous la mer. Tailler sous la mer, c'est pas un film que j'ai vu, ça. Vous pouvez ouvrir ? Ah bah, c'est moi qui m'occupe de tout, bah c'est pas grave. Quand Rue est pas là, je prends littéralement toute la place dans le lit, mais dès qu'il arrive, je me mets en mode 1 cm carré d'espace. Oui, bah t'as pas le choix en même temps, parce que moi je prends tout l'espace. Je suis un genre de fluide en fait. J'ai un corps non newtonien, et dès que je me mets sur une surface, je prends la place de la surface. Là, je fais actuellement 29 mètres carrés, ouais. Par contre, tu peux monter ? Voilà, merci. Ah, ça s'ouvre ça. Bah merde. Ça s'ouvre pas ? Bah non, mais je suis juste con alors. Mais il fait pas froid, c'est bon. Je peux pas lui découper un bout du cul là. Je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins à trimballer. Je peux parler à quelqu'un ? Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Non, dégueu. Ah, c'est sale les femmes, voilà. J'ai passé la cinématique en martelant E comme un gros débile. C'est qui ? Bobby Bram. C'est rigolo comme nom. Voir ta tête ? Je te connais ? Je te connais pas ? Hey, fous-moi la paix. C'est Max Zander le clown ? Je te connais pas. Mais si ! Je suis pas là pour copiner. Mais si ! Bon, tant pis. Des ordonnances. J'ai entendu c'est qui ça ? Que vous cherchiez le dossier du projet Murmure. Il non. Il n'est pas là. Non. Le projet quoi ? De quoi vous parlez ? Attends, il est où Jimi Hendrix ? Je crois qu'il est à l'étage normalement. Ah, y'a Max en plus, y'a Max Ross. Max Ross. C'est qui ? Fergus, ok, donc c'est lui. Donc il s'appelle pas Ferguson en fait, il s'appelle juste Fergus, c'est moi qui suis attardé. Il est où Jimi Hendrix ? Enfin, pas Jimi Hendrix. Il est pas là. Mais comment ça, il est pas là ? Ah, on a chopé Monde Yaya, on peut l'écouter ou quoi ? On peut pas les écouper. On peut pas les écouter, je veux dire. Bon, attends, on va juste. Il est pas là. Fallait. Donc, il est pas là du tout, en fait. On a même pas le droit à un autre personnage. C'est juste, il est pas là du tout, quoi. Qu'est-ce que Max cache par ici ? Ce serait pas le dossier du projet Murmure. J'ai besoin d'un pied de biche. C'est pas le dossier du Murmure. D'un pied de biche. Bon, bref, on va juste faire ça vite fait. Ensuite, je vais couper le stream. Allez, go. Allez, donc vraiment, quand tu sauves Fergus, y'a rien d'autre, quoi. J'aime pas l'ASMR que fait le perso. Bah. Non, mais attends. Non. Il est où mon moment. Attends, il est où mon Wolfenstein? Il est où mon Wolfenstein là? Oh. Mais je suis pas censé avoir un truc Wolfenstein classique?
Ah, faut, c'est encore plus haut. Ah oui, d'accord. Allez plus haut comme chantait Tina Arena. Je sais pas qui c'est qui chantait ça, donc. C'est par là ? C'est par là, il est où ? Wolfenstein classique. Wolfenstein. Wolfenstein ! Faut dormir au crenier ! Ah, je peux faire pipi ? Ah non. Pitoyable. Oui, ça a l'air de marcher, ouais. C'est quoi ce bordel ? Ok, vous faites vraiment n'importe quoi. Oh, il y a plein de couteaux, super ! Ah, je peux m'entraîner ? Regarde, bullseye. Ok, je peux pas. Là, ici. Bullseye. Putain, presque. Là. Là, en dessous. Bip ! Voilà. J'en ai eu un ? Ouais, j'en ai eu un au moins. Voilà, prends tout. Et du coup, c'est là, non ? Ouais, c'est là. Yes ! Cauchemar ! Par contre, je vais me paumer, hein. Qu'on soit tous d'accord, je vais me paumer la grosse race, hein. Yeah ! My Leben ! Ne s'arrête jamais. Jusqu'à ma... Shoot Starfall ! C'est pas con. C'est pas ça qu'ils disent normalement, attends. Ah, je suis déjà mort, ok. Jamais fini un seul niveau aussi, mais j'étais arrivé en plus à Mecha Hitler, moi. Attends. Je viens de crever comme une merde parce que je fais n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas... Fuck ! Putain de merde, on peut pas y retourner ! Mais non, mais en plus, c'est pas si dur que ça, c'est juste que là, j'ai fait le con, j'ai rushé pour rien. On peut pas y retourner vite fait, là, regarde, je saute. Ah, il faut... Comme ça, on se fatigue bien. Oh, fuck. Ça, je peux tailler, ça ? Il y a clairement un truc à tailler, là. Bon, tant pis. Ah, tata yo-yo. Fais gaffe, c'est chaud, j'ai pas eu le temps. Oui, bah ouais, j'y suis allé un peu trop vite. C'est pas grave, on le verra une autre fois. Ah, d'accord, ok. On le verra une autre fois, c'est pas grave. De toute façon, je pense que je vais arrêter là, les copains. J'espère au moins que ça vous a plu, ça vous a prune. ce premier stream Wolfenstein. Moi, je kiffe bien, j'adore ce jeu. Donc, les prochaines parties, je pense, vont pas vraiment pas tarder à arriver. On va se retrouver pour la prochaine fois. Je sais pas, pas de Cabella, non, pas de Cabella ce soir. Par contre, peut-être que je passerai un film tout à l'heure. Donc, restez sur le qui-vive, sur le Discord. Parce que je pense que j'essaierai de passer un petit film, je sais pas encore quoi, mais écoute, on verra. Donc, gardez l'œil ouvert pour le drive-in. En tout cas, en attendant, je vous fais d'énormes bisous. Je vous remets l'intro super stylée que j'ai fait tout à l'heure. Kablam! Et puis, oula! Attends, j'ai foutu un uppercut à mon micro encore. Et on se retrouve dans pas longtemps. Je suis désolé pour le stream un peu court, hein, j'ai fait que 3 heures, donc c'est pas énorme. Mais au moins, c'est déjà ça. Et puis, on a pu commencer un truc. Je sais pas si on va recommencer le Arc le mardi, ni le Arc le mercredi. On verra trop comment ça se passe. Mais en tout cas, je pense qu'on tient un truc plutôt stylé. Je vais vous laisser avec, tu sais, avec quoi, tiens? Avec House of the Rising Sun, mais en allemand, tiens. Allez, bisous les gars, à plus tard, ciao. Es gibt ein Haus in Neu-Berlin, man nennt es Haus Abendrot. Es war der Ruin vieler guter Jungs, von mir, mein Gott, litt ich Not. Hätt ich meinem Anführer zugehört, ich wäre